C'est que si tu fais tellement de dommages que tu n'es pas capable de récupérer en dedans de ton 24 à 36 heures d'augmentation de, de la synthèse des protéines, ben tu perds de la masse musculaire. Il faut être logique. C'est beau d'avoir la, la, la supériorité intellectuelle théorique, là, mais dans la vraie vie, la seule job en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir des résultats avec les clients. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici à Québec pour recevoir Christian Thibodeau. Ça fait longtemps que, que je veux qu'il qu soit sur le podcast, puis tout le monde le demande. Donc, bienvenue sur le podcast. Ben, C'est le fun de voir que je t'en demande. <laughs> C'est bon pour mon orgueil. <laughs> C'est bon. ça, tu me parles un peu de ton, euh, ton background dans l'entraînement, en tant que formateur, puis tout vraiment. Tout que avoir su que tu allais parler de mon background, je pense que j'aurais pas fait le podcast. <laughs> tu me disais qu'il y, 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 y a des choses qui sont hors limite Il n'y en a pas. Sauf ça, C'est plus parce que j'aime pas vraiment hein, parler de moi-même, mais je pense que juste pour établir une certaine crédibilité, ça peut être intéressant. Euh, j'ai eu une carrière qui est assez, euh, je te dirais, bizarre, dans le sens que j'ai fait la carrière inverse de tout le monde. Euh, la plupart du monde vont commencer comme entraîneur dans un gym, euh, ils vont prendre l'expérience puis éventuellement vont peut-être aller travailler avec des athlètes, un exemple quand ils sont assez confiants ou qui ont assez développé leur business. Moi, c'était le contraire. À 19 ans, j'entraînais déjà des athlètes professionnels, des athlètes de, de niveau olympique, amateurs international. J'ai été vraiment chanceux parce qu'il y a un coach qui m'a comme pris sous son aile, qui était mon, mon, mon ancien coach de football secondaire. Qui était vraiment le seul strength coach à Trois-Rivières. Parce qu'on s'en a pour dire que Trois-Rivières, dans le temps, c'était pas la mecque de l'entraînement. Euh, Puis quand il a voulu comme pr prendre sa retraite de l'entraînement, aller plus comme travailler une job institutionnelle, ben, il, il m'a comme laissé ses athlètes. Fait à 19 ans, j'entraînais des joueurs de hockey, j'entraînais des patrouilles artistiques, j'entraînais des gars des, uh, de Bob whatever. Puis euh, ça m'a permis de commencer comme ça. Puis à, à cause de ça, j'ai eu la confiance d'écrire un livre. Puis euh, alors que j'étais vraiment un nobody », j'habitais chez mes parents. T'sais, le Black Book of Training Secret a été écrit quand Christian Thibodeau habitait chez ses parents. Euh, puis J'ai d'ailleurs payé moi-même pour l'impression de ce livre-là, parce que quand tu habites chez tes parents, tu n'as pas beaucoup de dépenses. c'était Merci pour mes parents qui ont financé le livre. Finalement. Euh, et ce livre-là m'a permis d'aller, euh, d'avoir le, 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 le contrat d'écrire pour T-Nation, The Nation, qui était à ce moment-là vraiment le plus gros site d'entraînement au niveau mondial. Tu avais Charles paul qui écrivait là, tu avais Ian King. Elle euh, avait plein, plein, plein d'experts mondiaux, puis ça m'a donné une grosse, grosse visibilité. Puis quand je leur ai dit, j'ai publié un livre, ça a quand même donné une crédibilité suffisante pour qu'ils acceptent de publier mes articles. Puis ça fait maintenant 20 ans que je travaille pour eux autres. T'sais. Puis euh, Ça m'a permis d'avoir une visibilité internationale. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que les, les, les plus gros contrôles ont commencé à débouler. Je suis allé travailler aux États-Unis, à Saint-Louis avec Steph Cazot, puis uh, André Benoît, puis Alexandre Bernardin, par exemple. On était une pas pire équipe, dans le fond. Là. Je J'ai pas été là très longtemps parce que j'avais rencontré euh, ma, celle qu'elle allait devenue ma blonde. Euh, environ une semaine avant de partir. Évidemment, c'était. Euh, plus pour du sexe que d'autres choses, parce que une semaine, tu s'en vas aux États-Unis, mais finalement, elle, elle, dans sa tête, probablement que c'était quelque chose de plus que ça. Bon, je sais pas qu ce que j'ai fait de correct, parce que j'ai pas une personnalité exceptionnelle. Je me suis ça va être d'autre chose. Euh, puis elle est venue me voir là-bas, puis là, là c'est ça. On, on a commencé à développer la relation un petit peu plus. Euh, puis à ce moment-là, je me suis dit, ouais, je peux pas vraiment rester là. Elle ne parle pas anglais, elle étudie en technique policière, elle va être policière. C'est là que j'ai décidé de revenir au Québec. Euh, j'ai déménagé à Lévis, où on est présentement, où elle, elle habite, où ses parents habitent, une fille très familiale. Euh, mais à Lévis, c'est un petit peu la même situation qu'à Trois-Rivières dans le temps. Pas beaucoup d'athlètes de haut niveau, donc tu vas vraiment gagner ta vie avec ça. Fait que C'est là que j'ai commencé à entraîner plus du monsieur, madame, tout le monde, puis beaucoup plus du bodybuilding, puis des, du monde comme ça. Fait que ça. J'ai comme eu le, le chemin inverse un petit peu. Puis euh, ça m'a permis de, 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 de développer des certaines méthodes que probablement que je n'aurais pas développé sinon. Parce qu'avec des athlètes, euh, j'utilisais pas les mêmes approches qu'un entraîneur utilise en gym avec une personne normale, si tu veux. Mais quand j'ai commencé à travailler avec la population en général, ben j'ai utilisé les mêmes principes. Puis j'ai remarqué que ça avait des, des, comme des, des, des très très bons effets pour une vue composition corporelle. C'est comme ça que j'ai développé mon système d'entraînement. Euh, et là, depuis euh, deux ou trois ans, je focus beaucoup plus sur l'enseignement ce qui est, je te dirais, ma vraie passion. T'sais, t'sais, oui, j'aime entraîner euh, le monde. Je pense que je, je le fais encore. Je pense que tu ne peux pas donner des formations sur l'entraînement, sur comment être entraîneur, si toi-même, tu n'entraînes plus personne. Je pense que ce n'est pas intellectuellement honnête. Et quand je vois quelqu'un qui, qui va t'enseigner comment être un entraîneur et qui n'a jamais entraîné personne de sa vie, c'est comme quelqu'un qui veut te montrer comment baiser, mais qui est vierge. Tu Il sais, n'y a aucune crédibilité zéro. Tu sais. fait que je vais toujours continuer à entraîner du monde, j'aime encore ça. Mais euh, j'ai plus la, 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 la capacité de faire du 40, 50, 60 heures par semaine. Par contre, au point de vue de enseignement, tu sais, c'est hyper intense. L'adrénaline au coton, puis c'est ce que j'aime le plus faire. C'est un petit peu là, le, le résumé de ma carrière d'entraîneur. Je suis au point de vue personnel avant ça. J'ai un peu le même background qu'un peu tout le monde. Euh, j'ai joué au football. C'est là que j'ai commencé à m'entraîner. Après ça, j'ai switché vers l'altérophilie parce que j'étais mauvais au football. Je n'étais pas meilleur en altéro, mais je me suis vu que je travaille plus fort que tout le monde, j'ai pu être quand même tolérable là, un peu. puis Ça m'a permis de, de, de switcher vers l'entraînement athlétique parce que ça a été ma porte d'entrée. Dans le fond, j'enseignais les mouvements d'haltérophilie euh, aux athlètes. C'était euh, moins populaire à ce moment-là. Dans, dans, dans ça va être le seul moment du podcast, je te promets, qui va être plate. Okay. Parce qu'il faut, faut que je sorte ça en dehors. Là, c'est fait. Là. là, on peut aller vers les choses intéressantes. Cool. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de, du neurotyping que tu as développé dans les dernières années. Ouais. Euh, moi, je me fais quand même poser beaucoup de questions sur ce système-là. Mmh. Puis, je pense que le monde en lit un peu sur Internet. Ils pensent qu'ils savent c'est quoi. Ouais. Donc, tu veux-tu rentrer dans ta Je pense que. J'ai quelques regrets par rapport à ça. Dans le sens que. C'est un système qui est tellement avancé, tellement complexe. Regarde, là, juste récemment, je, je, je l'ai encore updaté avec des nouvelles informations qu'on a vues. Euh, je travaille avec un, un, un entraîneur en Australie qui s'appelle Stéphane Yanev. Euh, Stéphane, qui a travaillé avec Charles Poliquin aussi, un excellent coach, super brillant. Surtout au point de vue nutrition, supplémentation, le, le gars, il est vraiment, vraiment calé. Puis il fait beaucoup de recherches sur la méthylation. Euh, et on a découvert des grosses corrélations entre la méthylation et le niveau de certains neurotransmetteurs qui a fait que j'ai updaté le matériel. Euh, surtout au niveau des recommandations des suppléments alimentaires. Mais tout ça pour dire que tu ne peux pas lire un article sur Internet et penser que tu maîtrises le système. Puis je te dirais que si j'ai un regret, c'est de vouloir enseigner l'ensemble du système en une fin de semaine. T'sais, oui, tu peux être fonctionnel, mais tu ne peux pas comprendre l'ensemble de ce qui se passe. Euh, mais je ne suis pas un, comme certains autres entraîneurs que je vais te faire huit formations pour que tu me payes huit fois faire plus de cash. Ce n'est pas comme ça que je suis. Je vais essayer de l'enseigner le, le mieux que je peux. Euh, si, on, si on résume un peu le système, dans le fond, c'est que c'était un, un concept qui a été développé par Charles au début, Charles Poliquin, euh, avec un article, le premier article que j'avais lu, c'était « Five Elements of Training euh, », où Charles parlait de, selon ta balance au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau, les neurotransmetteurs étant les hormones du cerveau, les messagers du cerveau, ben tu vas avoir certains types de personnalités et tu vas mieux répondre au volume, à l'intensité ou à la variation. Tout dépendant de la balance des, des, des neurotransmetteurs. Puis j'avais appliqué le concept, j'avais utilisé le test Braverman, ces choses-là, mais j'avais pas un taux de succès très, très élevé. Dans 60, 65, 70 des cas... La, la diagnostic du Braverman est, est, était bon, mais dans 30-40%, ça ne fonctionnait pas. J'ai comme poussé un petit peu plus. J'ai voulu vraiment comprendre la chimie du cerveau de façon plus poussée. Puis, Ça fait euh, peut-être les, les quatre dernières années, c'est l'ensemble de mes études. Fait que, euh, on, on, on utilise, dans le fond, l'évaluation de la personnalité de l'individu pour voir, avoir des indices, si tu veux, sur quels systèmes de neurotransmetteurs sont efficaces ou non. Si ton, ton, ton système dopaminergique est efficace, ben tu vas être quelqu'un qui va être plus extroverti. Tu es quelqu'un qui est excellent pour te mettre un objectif et tu vas faire tout ce que tu, ce que tu peux pour l'atteindre. Tu as un obstacle, tu vas passer au travers. D'ailleurs, j'ai une théorie comme quoi le, 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 les jeunes d'aujourd'hui euh, sont vraiment des, excuse-moi, pas tous les jeunes, sont des losers. Euh, on parle de, le, le jeune qui. Quand je parle de jeune, on parle ado les milléniaux ces choses-là. Euh, que le moindre manque quelque chose est dur dans la vie, là, ben t'abandonnes. Si tu n'aimes pas ton travail, tu t'es pas bon à ta job, ben tu lâches ta job. Si t'es pas bien dans ta relation, tu quittes ta relation, tu vas trouver une autre fille. Euh, si tu pas un programme d'entraînement après deux semaines, tu lâches. Euh, je n'ai pas réussi en sport, tu changes de sport ou j'abandonne. C'est ce qu'on voit beaucoup des jeunes d'aujourd'hui. Et, et, et moi, ce que je que vois, c'est son si regarde au point de vue neurotransmetteur ce qui aurait du sens, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ont un problème au niveau du système dopaminergique, par exemple. Et, et, et je crois beaucoup que c'est dû au, au, au téléphone cellulaire, aux tablettes, puis au, à la télévision. Puis, tu sais comme moi que c est, c est, c est, ces objets-là émettent de la lumière bleue. La lumière bleue, puis ça a été récemment démontré, ça a un énorme impact sur les récepteurs dopaminergiques. Ça va venir stimuler tes récepteurs dopaminergiques. Ce qui arrive, c'est que les récepteurs de dopamine... C'est les récepteurs du plaisir. La dopamine, c'est le, le neurotransmetteur du plaisir. Quand tu vas activer les récepteurs, ouh, sensation de bien-être. Tu veux avoir ça encore. C'est pour ça que la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation aussi. Parce que si tu sais que gagner, atteindre ton but, ça donne une grosse sensation de plaisir. Quand tu as un obstacle, tu vas être capable de passer au travers. Ben, ça vaut la peine. Tu comprends? Mais si moi, mes récepteurs de dopamine sont résistants, s'ils si ne répondent plus à la dopamine, bien, je n'ai pas de sensation de plaisir ou presque pas. Du moindrement que c'était un peu dur, je vais abandonner parce que je n'ai pas la sensation de plaisir à la fin qui va me motiver à continuer. Fait que ce qui arrive, c'est que la lumière bleue, c'est un, un, un énorme stimulus au niveau des récepteurs dopaminergiques. C'est pour ça que c'est addictif. Non seulement parce que c'est le fun de voir que euh, Justin Bieber est la quatrième fille la plus populaire sur Internet. Euh, c'est juste le fait d'avoir la blue light qui augmente la sensation de plaisir. Donc, tu deviens accro à ça. Euh, même chose au niveau des télévisions flat screen, c'est de la lumière bleue. Euh, déjà, chez les adultes, ça peut entraîner des problèmes au niveau de la désensibilisation des récepteurs. Mais chez un jeune, que le cerveau n'est pas pleinement formé, ces récepteurs ne sont pas capables de supporter l'intensité de ce stimulus-là. Ils peuvent se, se désensibiliser presque de façon permanente pour se protéger. Ça fait quelqu'un qui a des, des problèmes au niveau du plaisir, au point de vue de la motivation, au point de vue de la résilience. Euh, au point de vue de la confiance en soi, au point de vue de l'anxiété. Donc, je pense que beaucoup des problèmes qu'on voit d'aujourd'hui, ça vient au, de, de l'abus des, 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 des tablettes, des, des cellphones et de la télévision. Pas juste parce que je passe mon temps là-dessus, donc c'est du temps que je ne passe pas à étudier, ça vient carrément affecter la chimie de ton cerveau. Bon, on a pas dit que c'est une parenthèse, on revient au neurotyping. Tout ça pour dire que ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on analyse la personnalité, ça me donne des indices sur quels neurotransmetteurs sont efficaces ou pas. Et à partir de ce moment-là, quel type d'entraînement va être plus efficace pour toi? Quelqu'un, un exemple, qui va être très dopaminergique. Mais cette personne-là a besoin d'un entraînement qui fonctionne par objectif. Il faut que je batte mon entraînement. Je dois voir une amélioration. Je dois gagner la séance. Je dois avoir besoin de plus d'intensité, euh, plus de compétitivité, si tu veux. Si tu vois quelqu'un, un exemple, qui va avoir euh, beaucoup d'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui est responsable de la créativité. De, 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 de la, la, la recherche d'accumulation de connaissances. À fond, la c'est le neurotransmetteur qui est responsable, entre autres, de l'apprentissage et de la vitesse de transmission dans le cerveau. Plus j'ai de mieux ton cerveau est pour accumuler des nouvelles connaissances et les utiliser par la suite pour créer des nouvelles solutions. Donc plus tu as d'acétylcholine, plus ton cerveau instinctivement veut des nouvelles stimulations. Tu es équipé pour tout absorber ça. Donc tu veux en avoir le plus possible. Cette personne-là, si tu le mets sur un programme d'entraînement qui est répétitif, toujours la même affaire, ça va la démotiver énormément. Y a tu moyen de trouver une façon d'inclure de la variation sans tomber dans le programme qui est archaïque pour aller chercher cette personne-là. Parce que je me rappelle, euh, on fait un retour dans le passé. Puis si je parle trop, tu me le dis, j'ai tendance à trop parler. Ça, euh, it, on, on se confie. Ça. Euh, première journée ou première semaine que j'arrive à Saint-Louis, euh, André Benoît me reçoit dans son bureau. André était le directeur athlétique euh, du centre à ce moment-là. Puis il me pose la question, il dit Chris, c'est quoi la chose la plus importante pour qu'un client ait des résultats? Il faut, faut, faut mettre ça en contexte. J'avais déjà entraîné des athlètes pros. J'écrivais pour T-Nation depuis genre 10 ans. Euh, autrement dit, je pensais vraiment que j'avais écrit 4 livres. Donc, je connaissais mon affaire, tu comprends? Je donne la réponse du gars qui pense que c'est tout. André, c'est la sélection des bonnes méthodes pour stimuler la réponse physiologique nécessaire à avoir les adaptations pour que le client ait les gains désirés. Il hey, me regarde. C'est une deuxième réponse. Ben c'est la sélection des bons exercices pour respecter la biomécanique individuelle du client, de sorte qu'on va développer les bons muscles et non pas causer des stress sur les articulations ou les mauvaises. Il me dit « Chris, as-tu déjà entraîné un client? » Je dis « tabarnak André, c'est quoi la chose la plus importante pour qu'un client ait des résultats? » Il me dit « Chris, il faut que le client soit motivé par son programme et ait 100% confiance en l'entraîneur. C'est ce qui est le plus important. Tu sais, si on regarde ch chaque entraîneur, surtout euh, ceux qu'on connaît au, au niveau du Québec, ces choses-là, ils ont tous un, un, un gros point fort. Tu, sais, tu regardes un exemple comme Stéphane Cazour, connu comme un développeur programmeur. C'est tu sais, pour construire une planification à long terme excellent. André Benoît, c'est le meilleur pour dealer avec un client sur le plancher. C'est tu sais, pour tirer le meilleur de ce client-là, que le client soit motivé par son programme. André, c'est le meilleur que je connais. Ça pour dire que le neurotapping, c'est un peu ça, dans le sens que si ton programme d'entraînement, même si c'est le meilleur programme sur papier, si c'est quelque chose qui te démotive, tu ne seras pas capable au long terme d'avoir un effort maximum. Tu vas en venir à haïr ton entraînement ou à haïr l'entraînement tout court. Pour nous autres, c'est pas la fin du monde. On va changer de programme. On va, on va retourner en uh, un drawing board, on va se faire un nouveau plan. On connaît ça, c'est notre passion. On n'arrêtera pas de s'entraîner. Mais pour le client qui vient de voir, euh, que ça prend tout son petit cash, pour s'entraîner trois fois par semaine, pour être en meilleure condition physique, en meilleure santé. S'il si déteste ce qu'il fait, il ne restera pas au long terme. Puis veut, veut pas, celui qui a les meilleures améliorations pour les transformations physiques, c'est celui qui va rester impliqué dans le processus le plus longtemps. Si, si tu réussis, tu manges bien, mais pas parfaitement, pendant six mois, puis tu t'entraînes bien, pas parfaitement pendant six mois, tu vas avoir des meilleurs résultats que celui qui fait tout à côté, gaz dans le fond pendant six semaines. C'est normal. Fait On veut avoir cette, cette rétention-là de client. Puis en même temps, tu sais, ta business, c'est de vendre des séances d'entraînement. Si ton client renouvelle parce qu'il aime l'expérience, puis il a une bonne relation avec toi, c'est bon pour ta business aussi. C'est un petit peu ça. Le, le lien entraîneur-client est super important. Puis je te dirais que c'est ça la grosse différence que moi, j'avais remarqué. En, entraîner des athlètes puis entraîner du monsieur, madame, tout le monde. T'sais, moi, je suis quelqu'un, on ne dirait pas ça quand je parle comme ça, parce que c'est l'adrénaline qui me rend extroverti, puis vraiment extraordinaire puis amusant, non? mais en réalité, je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui est introverti, je suis quelqu'un qui est gêné, euh, j'ai une faible estime de moi. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime ça, parler avec d'autres, bon. Fait que, euh, quand j'entraînais des athlètes, parfait. Un athlète, là, il ne veut pas entendre parler de ton week-end en série. Là. Lui, est, il est là, c'est all business à la performance. Je suis très bien là-dedans. Puis quand j'arrive dans la situation où je vais entraîner de la population générale, là, c'est rendu que tu dois faire la conversation au client. D'ailleurs, le monde ne sait pas, je vous l'annonce en primeur, j'ai inventé CrossFit. Euh, malheureusement, je n'ai pas profité de la manne financière de ça. Euh, je blague, mais c'est un petit peu ça. Parce que quand j'avais commencé à entraîner des clients, plus population générale, je me suis rendu compte que j'haïssais vraiment ça, leur parler dans les séries de drapeaux. <laughs> Moi, parler de, de, de la robe que ta, ta, ta fille vient d'acheter ou le, le, la, 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 le, la nounou que tu lui as tricotée, ça m'intéresse plus ou moins, tu comprends? Moins que plus. Fait que j'ai trouvé, c'est quoi le moyen que je n'avais pas besoin de leur parler? Ben, on va tout faire en circuit. Je venais de l'altéro On va faire de l'altéro on va faire du body weight, on va faire du sled, on va faire des mouvements métaboliques pour que tu sois tellement échoué que tu n'as pas me parler. j'ai inventé le CrossFit. Juste parce que je n'avais pas le goût de parler à mes clients. C'est un peu ça, dans le fond, c'est que si on veut vraiment résumer le neurotapping, c'est rien, c'est pas vaudou. Ça ne vient pas avec un système d'entraînement, puis c'est pas une secte, rien. C'est juste essayer de comprendre le côté psychologique du client pour comprendre quel type de programme d'entraînement, d'alimentation et de supplémentation, on va l'aider. Tu on parle du point de vue alimentation. keto OK? On s'en a pas dit que le keto relativement populaire ces temps-ci. Kéto, intermittent fasting, végétarisme. Tu sais, si tu n'es pas un de ces trois-là, tu es, es nobody en entraînement, tu euh, Le keto as, combien de monde commence à, à, à devenir des apôtres? « J'ai commencé le keto je file tellement bien, je dors mieux, je ne suis pas anxieux, mon cancer est parti. Bon, » J'exagère, là. Mm -hmm. Tu comprends? Mais c'est comme si tu tout d'un coup, c'est extraordinaire. Puis dans certains cas, ça va l'être. Parce que si tu regardes au point de vue de ce que tu vas manger, ça a un énorme impact sur la chimie de ton cerveau. Et la chimie de ton cerveau, c'est ça qui détermine comment toi, tu te sens. Es-tu anxieux? Si t'es anxieux, c'est un manque de GABA c'est un manque de, de, de sérotonine. Donc c est, c est les, ça, c'est les neurotransmetteurs qui calment ton cerveau quand il va trop vite. Puis si t'es prêt à le calmer, c'est ça l'anxiété. L'anxiété, c'est rien de plus que ton cerveau qui va trop vite. Donc... Certains autres neurotransmetteurs, on parlait de la dopamine tantôt, ça augmente la motivation, ça augmente la sensation de plaisir, le bien-être. Donc, si par l'alimentation, tu peux augmenter ces neurotransmetteurs-là, tu vas complètement changer ton état d'esprit. On prend quelqu'un, un exemple, qui va avoir un, un faible taux de, du neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA, c'est le neurotransmetteur principal qui va combattre l'anxiété. Si tu es faible en GABA, tu as de la misère à t'endormir, tu te fais des scénarios dans ta tête quand tu es dans le lit, tu te fais des histoires, là, tu te comptes des peurs, euh, tu es très insécure. Euh, bon. Ensuite, tu un autre neurotransmetteur qui s'appelle le glutamate. Glutamate, puis là, là, je vais vite un peu parce que d'habitude, ça de trois heures. Hein. Tu glutamate puis GABA qui vont ensemble. C'est deux côtés de la même pièce de monnaie. Okay? Parce que le glutamate est transformé en GABA. Et le GABA peut être retransformé en glutamate. C'est bien rare, quasiment impossible que tu aies les deux qui sont élevés en même temps. Bon. Le glutamate, c'est un amplificateur émotionnel. Quand ça va bien, qu'est-ce que ça va bien? Qu ben? Quand ça va mal, le monde, c'est de la merde. Puis tu peux passer de un à l'autre en l'espace de 15 minutes sans qu'il se passe fucking rien. Okay? Le monde qui va avoir des grosses fluctuations d'humeur comme ça, c'est beaucoup le glutamate. Okay? Le glutamate va faire que tu vas avoir beaucoup plus d'anxiété sociale, va faire que tu vas te faire beaucoup, beaucoup de scénarios émotionnels, surtout que tu es un faible gaba en plus de ça. Tu vas tout prendre personnel. Tu vas prendre un échec très, 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 très dur. Puis en plus, tu deviens accro à n'importe quoi qui te fait bien sentir. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur émotionnel. Donc, si. T'aimes le burger, tu le manges, t'as un haut taux de glutamate, ben tu vas l'aimer en tabarnak, le burger. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a bien des. Hey, ça, c'est une affaire que le monde ne savent pas, mais il y a bien des fast foods puis même des cafés commerciaux qui ont compris ce phénomène-là. Ils ajoutaient du glutamate dans la bouffe. Je, je me rappelle, j'avais acheté le, un, un Grill George Foreman quand ça a sorti, il y a genre 20 ans. Puis j'étais allé sur Internet, bon, ça prenait genre 20 minutes de loader une page, ça existait quand même. Puis, j'avais trouvé la recette des hamburgers McDonald's. Je vais me faire des hamburgers McDonald's avec mon Great George Foreman. Puis, un, un des ingrédients, c'était du MSG, monosodium glutamate. Et c'était commun dans tous les fast-foods, dans les cafés commerciaux aussi. Pourquoi? Parce que c'est un amplificateur émotionnel. Tu rajoutes ça à ton burger, tu vas avoir une plus grande sensation de plaisir. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais être accro, je vais en acheter plus dans le futur, tu comprends? Bon. On va revenir à, à nos moutons. Le glutamate, c'est l'amplificateur émotionnel, tu deviens accro facilement, euh, tu es plus anxieux, tu prends tout personnel, des gros mood swing. Bon. On revient à notre diète keto. Okay? Parce qu'il y a un point à ce que je te dis là. Il ne faut pas juste parler pour parler. Euh, les ketones, les corps cétoniques, okay? que ce soit exogène ou endogène, vont augmenter le niveau de l'enzyme qui est responsable pour prendre le glutamate et le transformer en GABA. Donc, quelqu'un qui aurait beaucoup, beaucoup de glutamate, très, très peu de GABA, anxieux, anxiété sociale, prend tout personnel, mood swings, dort mal, t'amènes sur une diète keto, tout est merveilleux. Parce que tu baisses le glutamate, augmentes le GABA, dors mieux, moins anxieuse, moins de mood swings, beaucoup plus normal. Okay? Fait que c'est sûr que cette personne-là, hey, tabarnak, je vais venir accro, au keto, je file vraiment super bien. Là, j'essaie de convertir tout le monde. Tu deviens un apôtre du keto parce que c'est vrai que dans ton cas, tu te sens comme une nouvelle personne. En plus, étant donné qu'une diète keto, c'est très très élevé en protéines, modérée en protéines, élevée en gras, mais très faible en glucides, tu favorises la production de dopamine, mais tu minimises la sérotonine. Ce qui va faire que la dopamine, hey, je suis dedans, j'ai du gaz, je suis de bonne humeur. Puis en plus, la dopamine, c'est avec ça que tu fabriques l'adrénaline. Fait que j'ai du gaz tout le temps. Le plus que je fais, je fais keto, j'ai du gaz tout le temps, j'ai de l'énergie, mais je dors bien. Oui! Dans ton cas, à toi, parce que tu as augmenté l'adrénaline, tu as baissé le glutamate, tu as augmenté le GABA. Mais si toi, tu pas ce problème-là, si moi, au contraire, disons, j'avais un faible taux de sérotonine, je prends une diète keto. Quand tu manges low carbs, faible en glucides, ta sérotonine baisse, ta dopamine monte. Donc, si toi, tu as beaucoup de sérotonine, donc tu es plus paresseux, plus chill, plus relax, tu vas keto, tu baisses la sérotonine, tu montes la dopamine, j'ai de l'énergie, j'ai du gaz. Mais si, si je suis le genre de personne qui est très, très introvertie, qui est répétitive, va toujours faire la même chose, obsessif-compulsif, j'ai besoin d'une structure, j'ai besoin de répéter toujours le même geste, euh, quelqu'un qui va, un overthinker, signe que tu as une faible sérotonine. Ce monde-là, tu, tu le mets keto, tu baisses encore plus la sérotonine, dude, la personne va devenir dépressive encore plus anxieuse. Fait, quand tu comprends la chimie du cerveau de quelqu'un, tu peux savoir quelle approche alimentaire qui est la meilleure. On s'entend que c'est la grosse mode, c'est de dire ça. Le facteur numéro un pour perdre du gras, c'est un déficit calorique. Mais comment tu te sens quand tu fais une diète, c'est ça qui détermine si tu vas pouvoir la toffer, la diète. Puis si toi, je te donne une diète keto, pis ça te rend dépressif, ça fonctionnera pas. Puis en plus, ton corps instinctivement, pour monter sa sérotonine, il va chercher les glucides. La, la, la fille ou le gars que sa blonde le laisse, bien, il va aller manger des, euh, un pot de crème glacée, de manger des biscuits. Pourquoi? Subconsciemment, pour augmenter la sérotonine, pour, pour mieux te sentir. Plus tu manges de carbs, plus la sérotonine va avoir tendance à monter. Donc, c'est si un des exemples, hein, si tu comprends la chimie de ton cerveau, tu vas savoir quelle approche utiliser. Ça va pas nécessairement dire, c'est pas un culte, c'est pas une secte, mais ça va te donner des bons indices. Et dans le fond, tu as mis ça. Euh, je pense, que ça vient aussi expliqué dans un podcast c'est euh, un système dans le fond d'un psychologue puis qui était catégorisé en cinq. En fait, euh, à l'origine, il y, y, y avait le Braveman que tu connais, qui est le premier c'est le test que Charles utilisait. Mm. Euh, c'est un, 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 un test d'évaluation psychologique. Qui te permet d'avoir des indices, que ma dopamine est élevée, sérotonine, ces choses-là. Le gros problème du test de Braverman, c'est que premièrement, il, il teste seulement quatre neurotransmetteurs, alors qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais il, si tu regardes au point de vue des neurotransmetteurs qui sont responsables de réveiller ton système nerveux, activation neurologique, il y en a juste un, juste la dopamine. Ce n'est même pas le principal. Seulement 17 de la population ont un système dopaminergique efficace. La plupart des autres, ça va être, ils vont utiliser majoritairement l'adrénaline ou le glutamate pour activer le cerveau. Mais le braverman ne teste pas ça. En plus, la majorité des questions qui se rapportent à la dopamine s'appliquent aussi pour l'adrénaline. Donc, moi, je suis très très haut en dopamine sur le test braverman, mais en réalité, j'ai une résistance dopaminergique. Je suis tout le temps neutre, j'ai aucun plaisir dans la vie, euh, mais je suis très 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 adrénaline. Donc ça, c'était le premier, premier problème. J'ai cherché un, nouveau, un autre système, puis mon, mon père étant psychologue, est, sa spécialité, c'est ça, c'est les tests d'évaluation psychométrique. Puis j'ai découvert le, le test de Cloninger, qui est un, un psychiatre américain qui a été développé avec euh, des, 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 euh, des patients en, en, qui étaient des, des abuseurs de drogue. Il voulait savoir, est-ce qu'il y a un lien entre l'équilibre neurologique du cerveau puis quelle drogue tu as plus de risque de devenir accro puis, il a développé son modèle qui est basé sur trois types. Les types dopamine, les types adrénaline, les types sérotonine. Donc, le type dopaminergique, c'est le système dopaminergique qui, qui, qui a besoin d'être stimulé. Donc, ce monde-là va devenir plus accro à, à des choses comme la, la cocaïne, euh, comme la nicotine. Dans certains cas aussi, l'ecstasy qui va travailler autant sur la dopamine que la sérotonine. Euh, le type adrénaline, comme moi, qui va répondre plus à des choses comme euh, les spies, les amphétamines. Euh, éphédrine, tout ce qui est stimulant. Euh, puis les, les types plus sérotonine qui vont répondre plus à des, des downers, le, le, le pot, des choses comme ça, l'alcool. Euh, à partir de ce système-là, tu sais, c'est là que j'ai commencé à comprendre ce modèle-là. Au, au début, j'enseignais trois types. mais je me suis rendu compte qu'il y avait plus que ça. Et là, j'ai bâti les cinq types basés selon les, 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 les relations entre le neurotransmetteur activateur et le neurotransmetteur inhibiteur. Un exemple, le, le type 1A, tu as un système dopaminergique très efficace. Tu as faible sérotonine, mais tu as beaucoup de GABA. Donc tu as besoin du GABA pour fonctionner. Euh, le GABA et la sérotonine, c'est deux neurotransmetteurs qui calment ton cerveau. La grosse différence, c'est que le GABA, c'est comme le à bras. La sérotonine, c'est le frein. Le GABA, c'est on ou off. Donc, que le monde qui sont toujours pareil, mais qui sont tout le temps gaz dans le fond ou rien par tout, très faible sérotonine, plus au niveau du GABA. Ceux qui sont très adaptatifs, qui peuvent changer leur comportement, ça va être plus le sérotonine qui va Le monde qui sont à l'aise en plein de situations, ça va être plus le sérotonine qui va être élevé, entre autres. Et dans le fond, tu as le 1A, 1B, 2A, 2B. 3. C'est comme un, un continuum que tu as du monde qui sont plus extravertis, introvertis, introvertis. C'est ça, pis plus anxieux, tirs, moins anxieux. OK. Puis les types d'entraînement, dans le fond, tu vas jouer avec ça aussi. Exact. Enfin, un exemple, que, tu aurais des types 1, qui sont des personnes qui sont très, très, très efficaces au point de vue dopaminergique. On a vu tantôt que la dopamine, c'est le neurotransmetteur responsable de la motivation. Euh, c'est ça qui fait que je veux atteindre l'objectif ce monde-là ça leur dérange pas de souffrir là pour avoir le bonbon à la fin ce monde-là euh, l'entraînement doit être entre guillemets compétitif quand je dis compétitif ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois battre quelqu'un mais tu dois avoir l'occasion de battre l'entraînement c'est si je te dis tu vas faire 5 euh, euh, séries de 3 à 85 donc 13 sous-max, ça va te démotiver. Tu n'as pas l'impression de pousser, tu veux battre l'exercice. Tu as besoin de lever plus lourd que tu as levé la semaine passée. Ou encore, tu es avec quelqu'un, tu dois lever plus lourd que ton partner. Ou tu dois avoir l'impression de vraiment te sacrer une reine, si tu veux. C'est du monde qui fonctionne comme ça. J'ai un objectif, il faut que je l'atteigne, puis ils vont tout faire pour la fin. Très, très, très axé sur la performance. D'ailleurs, la majorité des athlètes de haut niveau sont des 1A ou des 1B. Pour se rendre-là, tu dois être comme C'est des gens qui sont très confiants, qui sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner. Quand tu regardes les types 2, tu as le 2A, le 2B, le 2A, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de variété. Tu la, la personne qui a de la misère à, à rester sur le même programme plus que deux semaines, c'est un 2A. Fait, quand je travaille avec quelqu'un comme ça, le programme en tant que tel a beaucoup de variations au niveau des méthodes d'entraînement, même dans une phase d'entraînement. Je euh, ne sais pas Ben Prentice. Bon, ben Prentice. Euh, J'ai fait le programme de Ben Prentice. Puis ben, c'est un 2A, puis c'est… À chaque semaine, je les méthodes, à chaque semaine, je changeais les exercices, sinon, il ne pouvaient pas faire le programme d'entraînement. Euh, ça, c'est les deux. Les deux B, ça, c'est du mind-muscle connection. Le 2 B, oublie pas, ils ont beaucoup de glutamate. Le 2 B, c'est la personne qui a besoin de sensations, Il a besoin d'avoir un bon feeling de l'entraînement. Soit sentir la pompe à côté, le mind-muscle connection, euh, l'effet le, visuel quand il se regarde dans le miroir, ou encore avoir une preuve. Qui a vraiment travaillé fort. Tu fais du cardio, tu vois voir le gros, le grosse flaque d'eau à terre pour te prouver que tu as bien travaillé. Tu as besoin de quelque chose qui vient te dire, hey, le gros, tu as bien fait ta job. Fait une pompe de malade, de mind-muscle connection, ça lui donne ce feeling-là. Donc, ce monde-là, tu vas faire du paysan. Euh, il tient les articulations, mais pas de pompe musculaire, ça ne vient pas y chercher ben, ben. Ils ont besoin d'aller chercher de la grosse sensation de musculaire. Puis en plus, au point de vue neurologique, c'est du monde qui ne récupère pas rapidement au point de vue de l'entraînement euh, qui, qui est lourd. Est les, les deux B, les types 3, c'est du monde qui sont plus naturellement anxieux, qui sont plus naturellement nerveux, c'est du monde qui ont de la difficulté à récupérer d'un entraînement qui va être lourd. Puis les types 3, c'est ton comptable. C'est la personne qui est extrêmement structurée, qui euh, il fait toujours les choses de la même façon très, très routinier. Euh, qui a besoin d'une structure, besoin d'un plan. C'est le client que tu vas lui expliquer comment squatter pendant 20 minutes, il va quand même te poser 20 questions. Mais cette personne-là, moins ça change le programme, mieux c'est. ils peuvent rester avec les mêmes exercices pendant six mois, pis ça va bien marcher. Parce qu'eux autres, ça les sécurise. Puis plus t'es secure, ça les, ça les, ça augmente la motivation, ça réduit l'anxiété. Tu c'est, euh, un des gros, euh, des, des gros, je dirais point clé de, du neuro c'est beaucoup plus complexe que ça mm -hmm. mais c'est en gros c'est ça Dans la formation que j'avais faite avec toi tu disais aussi que selon ce que tu prends selon si es fatigué ou pas oui. puis selon si es stressé ou pas tu vas, tu vas bouger aussi là. exact ex ben oui c'est euh, un exemple c'est que tout dans ton alimentation c'est possible d'affecter les neurotransmetteurs si tu augmentes ta dopamine par l'alimentation donc plus riche en protéines euh, le, un meat and nuts breakfast le, le but du meat and nuts breakfast de Charles c'était d'augmenter la dopamine. Il ne savait peut-être pas au début, mais lui, il prenait ça, puis il filait super bien. Parce que Charles, c'est un type de dopamine. Fait quand, mais manger un, 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 un déjeuner qui est plus riche en protéines et en gras, ça augmente la dopamine qui va augmenter l'énergie. Parce que la dopamine elle-même, ça augmente la motivation, ça augmente le bien-être, mais ça va aussi augmenter l'adrénaline. Donc, il plus de gaz. Que, en général, si tu veux augmenter ton état d'énergie mentale, ton état d'éveil, tu vas aller plus vers une alimentation protéine. Gras. Le problème, c'est que ça, c'est un type d'alimentation qui va faire que ça va être difficile de vous calmer ton système nerveux. Fait que tu arrives chez vous le soir puis tu penses, tu penses, tu penses. C'est pour ça que normalement, je te dirais qu'une diète qui est, qui est pas mal efficace pour la majorité du monde, ça va être c avec plus des protéines puis des gras en début de journée, puis tu vas aller des glucides puis des protéines après le training puis le soir qui permet de te relaxer un petit peu. Ça n'a aucun rapport avec l'insuline et le, le, le stockage des gras. C'est vraiment juste purement bon du point de vue neurologique. Euh, mais ça, c'est juste un exemple. L'alimentation peut effectivement changer ton profil de personnalité. Euh, moi, quand je diète pour un photoshoot, je deviens extrêmement routinier. Je, je fais tout le temps le même training, je fais tout le temps les choses de la même façon chez moi, je mange la même chose. Si, je, dans ma tête, je promène les chiens à 9h, mais ma blonde a vu que je fasse une tâche puis que je fais les promener à 9h30, ça me déstabilise complètement. Alors que c'est complètement le contraire de ce que je suis vraiment. Moi, j'ai besoin de variété quand je suis normal, parce que ma sérotonine n'est plus haute. Mais du moment que je diète low carbs, j'ai tendance à être excessif sur ma diète, la sérotonine diminue. Là, je suis comme la personne faible sérotonine, j'ai besoin de routine, de structure, je veux pas de variation. Fait que tu peux changer selon l'alimentation, selon le stress dans ta vie, ces choses-là. C'est pour que c'est important de comprendre vraiment la, la, la chimie du cerveau, pas juste comme je suis un type 1A. Un, ça, va, ça peut varier selon l'état d'esprit dans lequel je me trouve. J'imagine, tu, tu prends de la caféine, des stimulants, tu ah oui. es un peu. Ben, les, les stimulants en général, là, même si on va en dehors du neurotapping, le stimulant, selon moi, c'est une des pires choses qui a été inventé pour l'entraînement, je te dirais. Là. Puis, tu, puis tu parles à quelqu'un qui est un amoureux des stimulants. Là. Mmh. Si je pouvais vivre sur l'éphédrine, je vivrais sur l'éphédrine. J'ai arrêté d'en prendre, justement, parce que c'est... Oui, c'est quand je prends ça, je deviens essentiellement la version déifiée de Christian Thibodeau, la version alphamère de Christian Thibodeau. Mais le lendemain, je paye le, je paye le prix, là. Euh, parce que je réponds très très fortement à tout ce qui est stimulant. Ce qui arrive, c'est que les stimulants viennent soit directement stimuler le récepteur bêta-adrénergique, qui est le récepteur qui interagit avec l'adrénaline. Puis ces récepteurs-là là, se désensibilisent super vite. Dans un entraînement excessif au point de vue intensité, là, tu peux désensibiliser ton récepteur par 33%. C'est ce qu'on appelle la fatigue nerveuse, le CNS fatigue ou même le adrenal burnout. En réalité, dans la majorité des cas, c'est tes récepteurs adrénergiques qui sont rendus résistants à ta propre adrénaline. Là, tu n'es plus capable d'avoir le gaz, même si tu produis de l'adrénaline, ça te stimule pas. Là, tu as besoin de stimulant, puis de stimulants de stimulants puis tu as un petit peu de boost, mais tu désensibilises tes récepteurs encore plus. Puis ça ça peut être le cas quand tu fais un entraînement excessif, si je fais trop d'intensité, si je produis, je fais trop de volume parce que une chose qu'il faut comprendre puis ça c'est je sais que je vois un peu à gauche puis à droite mais vous juste écoutez le podcast huit fois ils vont comprendre. Il y a une grosse relation entre le cortisol puis l'adrénaline. OK. Le cortisol vient augmenter la conversion de noradrénaline en, en adrénaline. Ça augmente l'enzyme, la PNMT, qui vient augmenter l'adrénaline. Donc, le, le message, c'est quand tu augmentes ton cortisol, tu produis plus d'adrénaline. C'est ça qui est important d'obtenir. Fait que n'importe quoi qui va augmenter le cortisol à l'entraînement va spiker mon adrénaline et ça peut amener ce qu'on appelle le CNS ou le adrenal fatigue. qui n'est pas une fatigue des glandes surrénales. Je n'arrête pas de produire de l'adrénaline. Ce n'est pas un problème au niveau du système nerveux central en tant que tel. C'est vraiment que mes récepteurs... Bêta-adrénergique, à ne répondre plus à mon adrénaline parce que j'en ai produit trop. Puis si je suis quelqu'un qui surproduit du cortisol, c'est ce qui va arriver. Le moment que tu produis du cortisol, tu produis de l'adrénaline. C'est pas, pas indissociable. C'est indissociable. De, donc, quelqu'un qui a un gros stress se bah, rend compte, hey, j'ai besoin de mes 4-5 cafés pour partir. Oui, c'est parce que tes récepteurs sont rendus résistants il bon, y a certains suppléments qui peuvent aider mais c'est là que c'est important de comprendre le type d'entraînement que tu peux faire tu sais c'est c'est un, un client qui est euh, qui fait une job, mettons, il est infirmière travaille 60 heures par semaine hyper stressé elle veut perdre du poids là tu lui donnes un entraînement métabolique à côté du volume dans le prélat, dude ça va empirer les affaires tu vas et déjà le cortisol à côté à cause de la production d'adrénaline tu vas augmenter le cortisol encore plus à cause du volume tu sais il y, y, y a une chose que j'ai remarqué c'est que le cortisol est l'hormone qui a la plus grande corrélation avec ta capacité de bâtir de la masse musculaire. Ce n'est pas la testostérone, c'est pas l'IGF1, c'est pas l'hormone de croissance, c'est le cortisol. Évidemment, la relation est inversée. Plus tu as de cortisol, moins tu peux bâtir du muscle pour plusieurs raisons. Premièrement, le cortisol va directement briser ta masse musculaire. Il va, il va briser ta fibre pour en faire de l'acide aminé pour faire de l'énergie. C'est une des fonctions principales du cortisol, produire de l'énergie toutes les réserves de disponibles incluant le muscle. Donc ça, en partant, ça ralentit. Deuxièmement, le cortisol va venir inhiber le système immunitaire. C'est sûr que la plupart des athlètes aux Olympiques tombent toutes malades à cause du stress de la compétition mais le stress du surentraînement avant, le cortisol est à côté, tombent toutes malades parce que le système immunitaire est à terre. Le système immunitaire, c'est ça qui est responsable de réparer le, le dommage musculaire quand tu t'entraînes. Donc si, si le système immunitaire est à terre, tu ne bâtis pas ton muscle. Donc c'est très, très difficile d'ajouter du nouveau muscle. Quand tu t'entraînes, le but, c'est d'augmenter la synthèse des protéines. On Ce qui fait que tu vas bâtir du muscle, c'est la synthèse des protéines. Et cette synthèse des protéines-là est augmentée 24 à 36 heures après ta séance. J'entraîne mon chess. Pendant 24 à 36 heures, la synthèse des protéines dans le pectoral va être augmentée. C'est pendant cette période-là que je peux ajouter du muscle. Parce qu'une fois que j'ai sorti de cette période-là, la synthèse des protéines est égale à la dégradation. Donc, c'est très difficile de bâtir du nouveau muscle. Okay? En fait, c'est même plus court que ça. Parce qu'à 24 heures, la synthèse des protéines est augmentée de 115 C'est très élevé. Mais à 36 heures, elle est rendue à 14 C'est pas beaucoup. Donc, tu as peut-être 24, 28 heures pour bâtir du muscle après la séance. Si, quand tu quand, quand t'entraînes, tu, tu crées du dommage musculaire. D'accord? Avec la plupart des méthodes. Si tu causes tellement de dommages musculaires ou que ton système immunitaire est faible, peut-être que ça me prend 20 heures. Là. Juste réparer le dommage que j'ai créé. J'ai rien rajouté encore, là. J'ai juste réparé le dommage. Là, il me reste 4 à 8 heures pour essayer de rajouter du nouveau muscle. C'est pas long. Mais si j'ai un système immunitaire qui est super efficace, puis je répare le dommage rapidement, Peut-être qu'en 10 heures, 12 heures, j'ai fini de réparer le dommage. Puis là, j'ai 12, 16, 18 heures pour bâtir du nouveau muscle. Donc, plus tu as un système immunitaire qui est efficace, plus tu peux récupérer d'un gros volume d'entraînement. Bon, c'est le cortisol qui va venir l'inhiber, donc ça, ça réduit ce ces choses-là. Puis, troisième élément, le, la myostatine. Myostatine, c'est une protéine qui est relâchée par le muscle, qui t'empêche de bâtir du muscle. Plus tu as de myostatine, moins ton corps te laisse bâtir du muscle. Okay? Le cortisol augmente la myostatine. Donc, le cortisol va limiter ta capacité de bâtir de la masse musculaire en augmentant la breakdown, en inhibant le système immunitaire et aussi en, en augmentant la myostatine. Donc, c'est sûr qu'il y a la plus grande corrélation avec la masse musculaire. Bon, si tu regardes le point de vue entraînement, au point de vue d'une personne qui est naturelle, on s'entend, quelqu'un qui, qui utilise des anabolisants, c'est une autre game. Parce que les, les, les anabolisants le testostérone ou autres stéroïdes, ça vient se brancher sur le récepteur androgénique. Okay? Et... Ce récepteur-là envoie un message au, au, au noyau de la cellule. Le cortisol fait la même chose. Il se branche sur le récepteur de glucocorticoïde qui va envoyer un message au niveau du noyau. Les deux utilisent le même messager pour se rendre au noyau. Donc, si toi, tu prends des anabolisants en, à haute quantité, ben, tu vas utiliser tout le messager pour rendre un noyau. Le cortisol, au niveau musculaire, ne peut presque pas faire sa job. Ce n'est pas vraiment grave au point de vue masse musculaire, on s'entend d'avoir un gros haut niveau de cortisol si tu prends des anabolisants. C'est pour quelqu'un qui prend des anabolisants peut faire un haut volume d'entraînement et bien récupérer de ça. Bon, tu prends quelqu'un qui est naturel. Tu veux minimiser le cortisol pendant l'entraînement. Tu veux quand même l'avoir. Sans cortisol, as de rénaline, tu n'as pas d'adrénaline, tu ne t'entraînes pas fort. Mais si tu as trop de cortisol, c'est là que ça t'empêche de bâtir du muscle. Puis je te dirais que la majorité du monde qui ne réussissent pas à bâtir de la masse musculaire, c'est parce qu'ils s'entraînent de façon trop émotive. Ils ont tellement peur de ne pas en faire assez pour prendre la masse musculaire qu'ils font, font trop de volume, ils poussent trop fort toute leur série, ils font trop de méga, super, giant set, respose, drop set, multiplié par 20. Hein. C'est tous des facteurs qui augmentent le cortisol. Ils font trop d'exercices. Je vais te donner les quatre facteurs qui augmentent le cortisol de l'entraînement. Premier facteur, le volume. Une des fonctions du cortisol, c'est de mobiliser l'énergie. Okay? Plus tu dépenses d'énergie dans ton entraînement, plus tu utilises du cortisol, parce que tu n'as besoin de mobiliser l'énergie. Deuxième facteur, c'est le niveau d'intensité perçu. À quel point tu pousses ta série? Ce n'est pas une question de charge, c'est une question d'intensité de, d'effort. Plus je me rends proche de, de, du failure, le, du failure point. Plus je me rends proche de l'échec, plus je, je relâche du cortisol. Si j'arrête trois répétitions avant l'échec, mon corps ne voit pas ça comme une situation stressante. Panique pas, j'ai pas besoin d'adrénaline, m'amener par-dessus à la limite. Mais si je me rends compte, écris, hey je vais failer, je vais les. ton corps, il a besoin d'un spike d'adrénaline, boum, il augmente le cortisol. Plus tu t'approches fail, du failure et si tu vas après le failure, plus tu relâches euh, du cortisol. Troisième élément, stress psychologique. Tu es au squat, tu n'as jamais fait 500 livres avant, là tu mets 500 livres ça la barre, tu ne sais pas si tu vas le faire. Tu es un peu nerveux, tu comprends? Ça augmente le cortisol aussi, c'est la peur de l'exercice. Et le quatrième facteur, c'est la complexité neurologique. Plus ton entraînement demande beaucoup de ressources au point de vue de ton cerveau, plus tu vas augmenter aussi le cortisol, parce que tu vas augmenter l'adrénaline pour augmenter le, le, le mental awareness, le focus, la motivation. Euh, un exemple, c est, c est, si tu n'as jamais fait d'arracher de ta vie, on va faire une séance d'arracher. Tu vas être en transpiration à côté, même avec juste la barre. Pourquoi? Parce que tu es tellement neurologiquement impliqué que tu spares l'adrénaline pour être capable d'être dans une zone, si tu veux. Fait que si tu as beaucoup d'exercices dans un entraînement, ça augmente la complexité de l'entraînement. Si tu as 12 exercices, parce que toi, il faut que tu fasses 4 exercices de biceps, 4 de chest, puis 4 de triceps, sinon tu seras pas capable de grossir le gros. Ben, ça, ça augmente la complexité de la séance. Chaque nouvel exercice c'est de la concentration de plus. Chaque fois que je jumelle deux exercices ensemble avec pas beaucoup de repos, j'augmente la complexité de la. Séance. Je dis pas de pas le faire. Je dis que c'est un élément qui complexifie la séance. Le nouvel exercice complexifie la séance. Beaucoup beaucoup de mouvements complexes et différents, ça complexifie la séance. Euh, des mouvements qui sont neurologiquement plus demandables. L'altérophilie, gymnastique, ça augmente le stress neurologique. Euh, pendant une bonne période de ma vie six mois, c'est pas énorme. Euh, J'avais fait beaucoup, beaucoup de bodyweight training sur les anneaux de gymnastique, ces choses-là. Ça, ça a transformé mon corps très rapidement. Le problème, c'est que je suis une personnalité excessive. Fait que moi, à la place d'en... Je voulais monter rapidement. J'avais acheté le livre Gymnastic Bodies par coach euh, Summer. Je voulais tellement progresser rapidement que je faisais deux fois deux heures par jour. Que j'ai déjà fait en haltérophilie, mais c'était pour moi des mouvements qui... Je suis tellement moron moteur que d'apprendre ces mouvements-là était tellement complexe que la surcharge neurologique était bien trop élevée. Okay. Fait que, euh, si tu regardes ça, faire du volume, pousser jusqu'à la limite, faire beaucoup euh, de, de, de travail qui est stressant psychologiquement et complexifier la séance, c'est toutes des choses qui augmentent le cortisol. Je ne dis pas tout tu te au minimum, mais il faut que tu en choisisses un ou deux. Toi, tu aimes ça faire du volume, fais du volume, mais il faut que tu arrêtes deux reps avant le failure. Toi, tu aimes ça pousser comme un cochon, il faut, faut que tu ailles jusqu'à que tu sois plus qu'à de bouger pendant tout. C'est correct. Un ou deux work par exercice. Euh, T'es quelqu'un qui aime ça changer tout le temps les exercices, parfait, mais faut que tu gardes deux répétitions à l'intérieur, ça va pas trop élever sur le volume. Donc le problème, c'est que quelqu'un qui va faire ses programmes d'entraînement pour bâtir de la masse musculaire, il, il se laisse emporter par je vais faire un, hey, je vais faire ça, mais je vais rajouter ça. Je, je me rappelle. Quand j'avais arrêté l'haltérophilie, je vais chercher un programme d'entraînement plus normal. Tu sais Puis c'est là que le West Side Barbell commence à être populaire. Je me que c'était explosif. Ça vient me chercher, t'sais. Je regardais ça, puis c'était un max effort lift. Tu avais un mouvement d'assistance, puis une coupe de moins d'isolation. Quatre, cinq lifts. Ah, c'est pas assez, ça. Moi, je faisais enfin, deux max effort lift par jour, plus de mouvements. je me suis brûlé à côté. c'est un système que le monde a déjà de la misère à supporter parce que l'intensité est très élevée. Fait que moi, j'ai rajouté du volume en plus de l'intensité puis de la complexité. Je me suis tiré dans le pied. Mais le monde, sont émotifs comme ça. T'sais, tu veux tellement changer rapidement que tu es prêt à faire du volume à côté, faire des méga super séries de dropsets. Tous ces éléments-là, -là, c'est toutes des choses qui augmentent le cortisol. Puis si tu l'augmentes trop et que tu n'es pas quelqu'un qui est naturellement un, un, un genetic freak ou que tu ne prends pas des anabolisants, bien, le fait est que tu ne progresseras pas. Euh, mais le problème, encore une fois, c'est parce que c'est que le monde voit quelqu'un qui va prendre des SARMs, quelqu'un qui va prendre des anabolisants, puis il, dit, hey, il fait ce programme-là, ça marche, je vais faire le même programme. T'es es dude. Je, je m'en cache pas. J'ai été de ce côté-là aussi. Là. J'ai été de tous les côtés, j'ai entraîné du monde qui était naturel, du monde qui l'était qui pas, puis je sais c'est quoi la différence. Là. Je sais ce que tu peux supporter, ce que tu peux pas supporter. L'autre chose, par contre, c'est que le monde a une opinion irréaliste de sur combien de masse musculaire tu peux gagner. Puis l'entraîneur ne fait rien pour dissuader la personne. Le client dans ton bureau, dit, ah, moi, euh, dans les trois prochains mois, j'aimerais ça gagner une quinzaine de livres. Oh, et ça se fait bien, on va faire un programme, de ça va marcher. C'est sûr parce que sinon, tu ne l'achèteras pas ton programme. Mais tu n'as pas l'honnêteté intellectuelle d'expliquer, regarde de dire, Garde, là. En, en trois mois, tu peux gagner au maximum cinq ou six livres de masse musculaire maigre. Puis ça, c'est si tu fais tout parfaitement, si tu fais une cristi de bonne job. Okay, le maximum que tu peux gagner, si tout est parfait, là. Dans une semaine, c'est entre un quart et une demi-livre par semaine. C'est le maximum physiologiquement possible. Il y a des périodes que tu peux gagner un petit peu plus. Un exemple, si as arrêté tu as de t'entraîner et que tu regagnes la masse musculaire. Mais si on parle d'une moyenne annuelle, c'est le maximum que tu peux faire. C'est doses à 25 livres par année. C'est qui le dernier gars que tu as rencontré naturel qui a gagné 25 livres dans un an? Moi, je n'en connais pas. Okay? En tout cas, pas des non-débutants. Mais c'est ça la réalité. Euh, puis je vais, je vais aller encore plus loin que ça. Si tu aurais dans toute ta carrière, en tant que personne qui s'entraîne, OK, euh, un, un homme peut espérer gagner 30 à 40 livres de masse musculaire. C'est le maximum. Bon, au point de vue sur, sur, sur la, la balance, ça va être plus que ça. Parce que quand tu gagnes du muscle, tu gagnes aussi du glycogène, puis de l'eau, puis du collagène, ces choses-là. Fait qu'en en réalité, tu peux gagner peut-être un, un 40 à 50 livres, ça balance. C'est le maximum dans toute ta carrière. Euh, par, par, de plus que ton poids adulte normal. T'sais, je regarde, moi, mon, mon frère plus âgé, qui on a exactement la même structure. On a la même grandeur, même largeur d'épaule, même largeur de poignet, il pèse 173 livres. C'est un gars plus d'endurance, pas de musculation. C'est un vrai ça que j'aurais pèsé si je ne m'étais pas entraîné. 173 livres euh, en était adulte. Donc, mon poids normal, maximum, pour moi, c'est un 215, peut-être 218. Et c'est pas mal tout le temps ça que je pèse. Il y a des moments de ma vie que je suis allé à 228, là, je m'aidais. Tu peux, t es, t es, t es, t changes la physiologie, ça change la game. Mais quand je suis, quand je prends, euh, prends rien, ouais, normalement, le plus que je peux peser, c'est en, en condition correcte, c'est 215. Si je mets ça à la cote, ça va être 195. 215, c'est un 10-12 de gras. Je vais m'entraîner en haltérophilie. Les jambes vont, vont grossir, les trapèzes vont grossir, les bras vont rapetisser, le chest va rapetisser. Je vais peser 215. Je vais faire de en bodybuilding. chest va grossir, les bras vont grossir, le fessier va rapetisser, mon ischio va rapetisser un petit peu, les pecs vont grossir, je vais peser 215. Je vais m'entraîner en powerlifting. Mon tricep va devenir gros, mon, do mon dos devient épais, je perds des lattes, mes fesses grossissent, mon quad rapetisse, je pèse 215. Parce que ça fait quand même... 25 ans, je m'entraîne. À un moment donné, tu as atteint le maximum de masse musculaire que tu peux avoir. Quand ça, ça arrive, tu peux encore gagner un petit peu, mais les changements vont être plus sur où tu vas porter ta masse musculaire. C'est une théorie que j'ai un exemple, si je, le maximum de tissu musculaire que je peux avoir, c'est un, un poids de corps de 215 en condition correcte. Bien, je peux quand même, un exemple, perdre 5 livres de bas de corps puis gagner 5 livres d'autres corps. C'est le total de masse musculaire que le corps, l'organisme peut supporter, peut nourrir, peut envoyer du sang. Peut... Donc, c'est un 30 à 40 livres dans la carrière d'une personne ce que tu peux faire. Et, et la moitié de ça va arriver dans les trois premières années d'entraînement normalement. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut que tu dises à ton client. Si lui, il est convaincu qu'il peut gagner 20 livres en trois mois parce qu'il a vu son chum qui l'a fait parce qu'il s'est peut-être aidé mais qu'il n'en qu parle pas ou qu'il va sur, un, sur Instagram pis qu'il va avoir a des des, des, des J'ai gagné 25 livres de mass puis j'ai perdu 12 livres de gros bull-fucking-shit. » OK? Ça marche pas de même. Mais, mais ça donne tellement des fausses impressions que... Le client, ça le décourage. Après trois mois, il a gagné six livres. Hey, ça ne marche pas ton programme. Tabarnak, six livres. Hey, je me rappelle à un moment donné, j'avais un Mailchimp, il y avait une boutique de suppléments alimentaires. Puis il me croit ça, il y a un gars qui a acheté un pot de créatine. C'est en temps que la créatine, c'est la grosse affaire. T'sais. Après un, deux semaines, le gars il retourne la créatine en tabarnak. J'ai juste pris huit livres, ça ne marche pas ton hostie de produit. Il faut, 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 faut être épais. Là. Mais c'est parce que le monde ne le savent pas. Ils sont bombardés par des annonces, par des histoires de quest ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est deux livres par mois. Si tu fais tout parfaitement, oui, tu vas prendre des fois un peu plus de poids. Puis c'est du gras ou c'est de l'eau, mais tu sais, de masse musculaire. Deux livres par mois, si tu fais ça, tu es un champion, là. Puis tu ne le feras pas toi et moi, là. Ouais. Mais il faut que le monde le sache. Ouais. Mais à cause que tu prends ton trois. Ton premier mois, tu t'entraînes, tu as juste gagné une livre et demie, Tabarnak, je ne dois pas m'entraîner assez. Fait que là, tu passes de quatre trainings à six trainings. Là, tu ne prends pas plus de masse. Je vais rajouter deux exercices chaque muscle. Tu prends encore moins de masse, puis tu te sens en flat. Je me sens en flat, il faut que je fasse plus de pompes. On va faire des supersets, sets, des dropsets, pour sentir cette pompe-là. Mais le monde, c'est justement, le monde, ils vont tuer leur gain à cause de ça. Même affaire, le monde, vont perdre leur masse musculaire quand ils diètent à cause de ça. Tu perds pas de la masse musculaire parce que tu diètes. Si tu diètes comme une de façon intelligente. Tes protéines demeurent élevées. Tu as 1 gramme par livre de poids de corps, peut-être 1,25 grammes. Euh, Puis tu as quand même un, un, un peu de corps, un peu, un peu de fat pour avoir de l'énergie. Tant que tu n'es pas en bas de 10 de gras, tu n'as aucune chance de perdre la masse musculaire. Si tu continues à t'entraîner. Parce que tu as assez de protéines pour supporter la réparation musculaire. Puis même si tu as un déficit énergétique, tu as assez d'énergie emmagasinée pour fonctionner. Tu n'as pas de raison de brûler ta masse musculaire, tu comprends? La raison que le monde perd leur masse musculaire quand ils diète, c'est qu'ils ont tellement peur de perdre leur masse musculaire qu'ils doublent leur volume d'entraînement. Ils poussent deux fois plus fort. Ils font des drop-sets, des supersets, et il faut que je garde dans mon muscle. Là, c'est sûr qu'en plus, tu manges moins de carbs, tu as moins de pompes. Tu manges, faut que je coupe mon sodium. Le me fait de la rétention d'eau, il faut que je sois cut, gros. Tu cotes ton sodium deux jours avant la compétition, un jour avant la compétition, pas trois mois avant. Là. Mais tu n'as pas de sodium, tu n'as pas de carbs. Comment tu vas avoir de pompe, pas de carbs, pas de sodium? C'est impossible. Tu es flat dans le gym, tabarnak, il faut que je fasse plus de séries, plus de volume, j'ai finalement une pompe. T es, t es, tu paniques tellement parce que si tu penses que tu n'as pas de pompe, tu perds ta masse musculaire. C'est ça qui fait que tu perds du muscle. Là, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes ton cortisol, tu augmentes, augmentes ta dégradation protéique. Tu causes tellement de dommages que tu n'es pas à le réparer. C'est ça qui fait que tu perds de la masse musculaire. Tu augmentes trop ton cortisol à cause que tu t'entraînes trop, tu crées trop de dommages musculaires que tu pas à le réparer. Tu as, as 24 à 36 heures pour bâtir du nouveau muscle. Là, ce qui arrive, tu causes tellement de dommages qu'en 24 heures, tu n'as même pas réparé le muscle que tu as, as brisé pendant le training. Tu deviens de moins en moins bon à chaque séance. Tu n'utilises pas la musculation pour perdre des calories, ça n'a pas de sens. La musculation, c'est pour bâtir du muscle, bâtir de la force. Même chose quand tu diètes. Tu ne t'entraînes pas différemment. Peut-être que tu vas couper un peu tes intervalles de repos. Encore là, je j'étais un fan de ça, je suis moins un fan de ça parce que ça va augmenter l'adrénaline, ça, augmente ça augmente le cortisol. Tu t'entraînes de la même crise de façon. Ce qui t'a bâti de la masse musculaire, c'est ce qui va faire garder de la masse musculaire. Tu vas coter en coupant des calories, puis peut-être en faisant du système énergétique si tu si as besoin. Encore là, ça va dépendre. Le naturel ne peut pas faire le même cardio qu'une personne qui prend des anabolisants. Tu sais, le cardio à jeun pendant une heure, là, M. Olympia peut le faire, là. Mais je ne suis pas sûr que toi, qui es naturel, c'est une grosse idée, là. Il y a bonnes chances que ça va élever le cortisol. Si c'est juste une marche, tu un exemple, si tu vas marcher avec ton chien le matin, bien, bien relax, ça, c'est correct. C'est pas assez intense pour élever le cortisol. Mais si tu le fais vraiment intense pendant une heure, ou encore pire, tu fais des intervalles à jeun, le gros. Aussi bien que couper ta, ton muscle toi-même puis le donner, là. Sérieux, là. A, le type de cardio que tu ne peux pas faire quand tu es naturel, c'est celui qui va élever le cortisol. Donc, c'est la même chose. Dépense énergétique, intensité, complexité. Donc, si je vais prendre une marche avec mon chien, il y a zéro intensité. En fait, ça va même baisser le cortisol. C'est une réduction de stress. Mais si je fais du jogging pendant 45 minutes, une heure, le matin, l'intensité est trop élevée, la dépense énergétique trop élevée, je prends du appuyageur ah, à, à plus. C'est complètement idiot. Un autre facteur qui va augmenter le cortisol. Tu quelqu'un qui est naturel, qui veut faire du cardio pour coter. Tu peux faire du cardio à jeun, si tu veux, mais c'est une marche bien relaxe. Mais idéalement, c'est pas à jeun. Euh, tu peux faire aussi des sprints, de, des sprints lactiques. 30 à 40 secondes de gaz dans le fond. 2-3 minutes de break. L'acide lactique vient bloquer la myostatine. L'acide lactique, c'est une étude qui est sortie récemment. L'acide lactique augmente ce qu'on appelle la folistatine et la myogénine. C'est les deux substances qui vont venir bloquer l'action de la myostatine, qui vient t'empêcher de prendre la masse musculaire. Fait que l'acide lactique, ça va venir t'aider à garder ta masse musculaire quand tu diètes. Fait que tu fais des sprints de 30, 40, 50 secondes, ça monte ton acide lactique à côté, puis ça, ça, ça brûle des calories en plus, mais tu veux un repos complet pour empêcher l'élévation de cortisol. Ça me fait rire le monde qui dit euh, oh, Si tu fais, des, tu fais du steady state cardio, tu fais du cardio, tu vas aller un marathonnier. Si tu veux être cut, regarde les sprinters, fais des intervalles. Petite nouvelle, j'en entraîne des sprinters. Il n'y a pas un sprinter dans le monde qui fait des intervalles. Tu veux tuer un sprinter, là, tu veux scraper sa mécanique de course, tu veux tuer son système nerveux, fais faire des intervalles. 30 secondes intense, 30 secondes relax. Dude, il n'y a pas un sprinter sur la planète qui peut faire ça sans complètement tuer son patron moteur. Tu te dis, il fait des intervalles, tu vas être un sprinter. Les sprinters ne font pas d'intervalle. C'est-tu qui fait l'intervalle? Les marathoniens. Les marathoniens en font à crise des intervalles. Que ça n'a aucun rapport. Il faut que tu regardes au point de vue hormonal qu ce qui se passe. Puis, ce que tu veux pour le cardio, tu veux minimiser le cortisol. Donc, tu, veux pas, tu peux avoir de l'intensité, mais pas de volume. Donc, tu peux faire des intervalles, 8 minutes. Si tu fais des intervalles, puis tu es rendu dans 15, 20, 30 minutes, tu es un idiot. Tu peux faire du longue durée, mais pas d'intensité. Tu peux faire du 45 minutes si tu marches. 45 minutes, tu tu t'es un idiot. Mais t'es encore là, puis à jeun, viens bien compliqué complexe à faire. Fait que ça, il faut comprendre ça. L'entraînement, c'est fait pour bâtir de la masse musculaire, gagner de la force. Pas pour brûler des calories. Mais c'est à la mode. Puis je l'ai déjà fait, j'ai inventé CrossFit, je te l'ai dit, là. Fait que parce que c'est facile d'entraîner des clients. Puis je dis pas que ça marche pas. Tu vas perdre du gras. Mais au sacrifice de pouvoir perdre la masse musculaire puis de pouvoir, entre guillemets, développer ce qu'on appelle la fatigue nerveuse, qui va être la désensibilisation des récepteurs adrénergiques parce que tu produis trop de cortisol. Puis là, tu « feel like shit ». Si tu te prépares pour une compétition de bodybuilding, tu t'en crisses de filer comme la marde. Ça fait partie de la game. Tu, comme tu l'acceptes pour atteindre l'objectif. Mais si tu as une job à faire, si c'est juste pour le fun, que tu vas être juste en, en meilleure condition pour un mariage ou pour l'été ou pour un voyage, si tu n'as aucune qualité de vie, ça sert à quoi? « Hey, dude, je me rappelle. » J'ai pas toujours fait des affaires intelligentes dans ma vie. Je me rappelle à un moment donné, ma blonde puis moi, on s'en allait en voyage. Fait que je voulais être beau sur la plage. Fait que je me suis mis comme ça à la diète. Mais j'ai tendance à. À me laisser aller pas mal. T'sais, tu parles d'un gars qui a déjà gagné 26 livres en 6 heures, qui a déjà mangé 25 hamburgers d'une shot. Tu sais, j'ai pas de problème à manger de la scrap. Tu sais, pour moi, le, le, la beigne, les bangs sont le cinquième groupe alimentaire canadien. Tu euh, sais, je suis capable. Là. Fait que souvent, je me laisse un peu trop aller. Là, je me rends compte que j'ai 4 semaines pour être en shape, Mais je suis capable de vraiment être super strict. Mais là, j'étais tellement strict que brûler mes, mes, mes récepteurs adrénergiques. Là, je en voyage. J'ai pas eu du fun une minute. Mais je te cote, par exemple. Euh, encore pire que ça, le j'allais même pas déjà. J'ai inventé Intermittent Fasting en plus. Parce que je voulais tellement avoir l'air cote à la plage que je voulais pas manger le matin. Au cas où que je fasse de la rétention d'eau pour que mon banc de gonfle, tu comprends? C'est pas à cause que tu un coach international que était es bien rien, tu comprends? Anyway, c'est euh, ça pour dire que la naturel, faut qu il faut qu'il minimise le cortisol. C est, c est... Moi, personnellement, j'aime mieux m'entraîner dur que faire moins de volume. En as que qu'ils n'ont pas la capacité de pousser à la limite. Là, tu peux faire plus de séries. Mais tu sais, c'est comme le, le nombre idéal de séries par muscle, OK? 5 à 15 à peu près par muscle. C'est ce qui est idéal, OK? Par semaine ou par de euh, Par séance. Par séance. Euh, et, et deux fois par semaine, normalement. Euh, c'est sûr que 5 à 15, c'est large, mais ça va dépendre du niveau d'intensité. Si tu fais du 5, 8 séries, 5, 7 séries, bien, ça va être du, du 9. 9,5 sur 10 sur l'RPE. Tu vas soit à l'échec ou proche de l'échec. Tu comprends? un très, très bon volume, comme Dorian Yates. Euh, si tu veux faire un, un, un 10, 12 séries, ben, tu te laisses une ou deux répétitions dans la tank à gaz. Puis si tu veux faire 15 ou même 20 séries, il faut que tu te laisses deux même trois répétitions dans la tank à gaz. Un peu comme Mike Israetel. Right Ça, c'est la méthode de Mike Israetel. Right il fait beaucoup, beaucoup de volume. Puis il, il se laisse toujours deux ou trois répétitions dans la tank à gaz, sauf la dernière semaine d'un bloc où là, il va aller plus élevé un petit peu sur la Puis son, lui, sa théorie, c'est de Augmenter le volume. Personnellement, je ne souscris pas à cette méthode-là euh, parce que c'est juste pas pratique. T'sais, en réalité, je me rappelle, il a fait un, un, un programme, qui euh, demanderai à, à, à Stéphane Aubé quand tu vas le recevoir, euh, il s'est rendu qu'il faisait 50 séries de quoi dans une semaine. T'sais, t'sais, ça a aucun sens. C'est quoi la limite? Là? Parce que tu même si en théorie ça fonctionnerait, tu peux pas l'appliquer à personne. Ça fait que es mieux d'aller vers des méthodes qui peuvent fonctionner. Euh, c'est sûr qu'on qu qu peut se parler. Euh, moi, ce que. C'est ce que, drôle parce que j'en suis venu à la même conclusion que John Meadows, que Paul Carter, que Chris Beardsley en même temps. Mais de façon séparée. J'ai déjà présenté ça dans mes relations sur l'hypertrophie. Euh, moi, ce que je crois, c'est que ce qui est important, c'est le nombre de répétitions maximalement efficaces mm -hmm. dans une série. C'est quoi une répétition maximumement efficace? C'est une répétition où l'ensemble de tes fibres musculaires sont stimulés. Parce que les fibres musculaires lents, presque aucun potentiel de croissance musculaire. Intermédiaire, moyen. Rapide, très élevé. Donc, si tu veux avoir un maximum de croissance musculaire, tu vas lécher les films musculaires rapides. Quand tu fais une série normale, tu vas toujours aller chercher les fibres musculaires lentes en premier. C'est juste quand le, la charge sur la barre Nécessite une grosse production de force que tu vas lécher les musculaire rapide. musculaires rapides. Bon, ça, selon les études, on parle de 80 Quand la barre que tu dois lever représente 80 de ton maximum, à ce moment-là, tu recrutes l'ensemble des fibres que tu peux recruter. Ça ne veut pas dire 80 c'est la barre. À chaque répétition, tu crées de la fatigue. Puis quand tu crées de la fatigue, tu deviens plus faible. Si je deviens plus faible, la barre devient plus lourde en proportion, tu comprends? Si elle, elle, la barre est 70 bien après 5 répétitions, elle va filer comme 80 parce que j'ai perdu 10 de force à cause de la fatigue, 2 à 4 par répétition. Donc, ce qu'on veut, c'est se rendre à ces répétitions-là qui sont... Comme 80 Puis Ça, on parle des 5 à 6 dernières répétitions d'une série. C'est ça, les répétitions maximum efficaces. Parce que c'est rendu à ce moment-là que tu es rendu à 80 de ce que tu peux faire. Donc, que tu fasses 15 reps, que tu fasses 20 reps, que tu fasses 5 reps dans une série, tu vas avoir 5 répétitions maximum efficaces. Tu t'en penses quoi de Chris Bursley, justement, qui parle? <laughs> Lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le stress métabolique... — Est pas important. — Est pas important, ouais. c'est vraiment juste la fatigue. — ça, a... ça, je suis pas d'accord avec ça, par contre. T'sais, je veux dire, je, je, je vais prendre des, des, des éléments de façon objective, là, mm. parce que c'est pas, pas vrai, parce que l'acide lactique a été démontré que ça a un effet anabolique en, en venant inhiber la myostatine. Euh, L'accumulation d'IGF-1, ça a été démontré avec les études sur le Katsu, le Blood Occlusion Training, que ça a un effet sur l'hypertrophie. Même si t'as pas de dommages musculaires et même si t'as pas une fatigue musculaire aussi élevée. Parce que euh, tu vas prendre 30 tu n'iras même pas à l'échec, tu vas avoir une croissance musculaire à cause de l'accumulation d'IGF-1. Donc, c'est pas vrai, selon moi, que les facteurs métaboliques sont pas importants. Je pense que la fatigue de la fibre et le dommage de la fibre sont plus importants, mais les métabolites sont quand même un, un, un rôle à jouer. Je pense que Chris, c'est que... Si c'est pas prouvé par la science, c'est comme on tend à croire. C'est ça. C'est le problème avec ce qu'on appelle tous les, euh, les, euh, les euh, evidence-based evidence guys. Si euh, c'est pas prouvé par les études, ça marche. Le problème, c'est que les études, c'est bon pour la moyenne. C'est pas bon pour l'individu. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, pour qu'une chose soit prouvée, il faut qu'elle soit statistiquement, sta, statistiquement significative. Tu prends la moyenne du groupe. Mais tu sais, si tu as un dans le groupe, qui a un changement de 80 tu as un qui a perdu 20 puis tout le reste c'est du 1 tu vas dire c'est statistiquement significatif, ça fonctionne. Parce que la moyenne, ça va être 20 Alors qu'en réalité, pour 80, quasiment tout le monde du groupe, ça va pas fonctionné. Ça, c'est la grosse limitation. Puis l'autre limitation, c'est que euh, ça prend pas en considération l'ensemble des facteurs au long terme. Tu, sais, tu regardes un exemple, euh, l'élévation chronique du cortisol. OK? Euh, ça peut prendre un certain temps avant que ça ait un impact au point de vue de l'élévation de la myostatine, au point de vue de, euh, de, de l'impact sur les récepteurs adrénergiques, ces choses-là. Donc, peut-être que pendant un, un 6-12 semaines, tu remarques pas la différence. Mais après ce temps-là, si tu continues, ça va avoir un impact. Euh, tu as, as sûrement lu l'étude euh, qui était faite à l'Université McMaster qui avait comparé un groupe qui prenait 30 de leur maximum trois séries à l'échec. Après ça, euh, c'est par, euh, par Cameron et Mitchell. Après ça, tu avais un autre groupe, c'était 80%, une série à l'échec. L'autre groupe, 80%, trois séries à l'échec. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les deux protocoles qui ont fait trois séries ont eu exactement la même hypertrophie sur 10 semaines. 30%, 80%, si c'était à l'échec, même résultat. C'est bien beau, tu peux en conclure, ah, la charge n'est pas importante. Le problème, c'est que si tu lis l'étude comme il faut, ils ont pris juste un exercice. Fait que dans, dans, avec juste un exercice, même si tu as 3, 4 fois plus de volume à 30%, tu as plus d'élévation de cortisol, mais c'est pas significatif parce que tu as juste un exercice, ça n'aura pas d'impact. Mais si tu fais le même protocole avec 6 exercices d'une séance, tu fais tellement de garbage volume juste pour te rendre à ces 5 répétitions maximum efficaces là, mm. que tu, br tu brûles du gaz pour faire ces 70 répétitions de plus là, ça, ça va donner une grosse élévation du cortisol. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours été un low-rep guy. C'est sûr que je viens de la force, tu comprends, mais même en hypertrophie, moi, je suis du 6 à 10. Là. C'est là-dedans que je me tiens, c'est bien rare que je vende au 10, même si c'est plus du 6 à 8, je te dirais. Parce que du 6 à 8, tu as tes 5 à 6 répétitions maximum efficaces, puis tu n'as pas aucune garbage rep pour te rendre là. Ceci étant dit, je ne dis pas que le 10, 12, 15, ce n'est pas utile. Quand tu arrives avec une personne qui est débutant, une personne qui a des douleurs articulaires, une personne qui a une blessure, quelqu'un qui fait un retour à l'entraînement, cette personne-là, une charge plus légère, ça peut être un bon outil. Mais pour une personne qui est capable, moi, j'aime mieux minimiser les répétitions qui vont juste augmenter le volume pour absolument rien. Faire du 6 à 8, pour moi, c'est ce qui est le plus payant. Euh, T'as-tu euh, regardé récemment Greg Knuckle, il a sorti un... ouais, sur le, la, la critique les... de. Effective Rep, justement. Oui, oui. J'ai vu l'article. Honnêtement, c'est Greg, quand il, quand il écrit un article, ça a genre 75 ouais. pages. Ouais. Puis, euh, il y a, de, de, depuis cette semaine, là, je, 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 depuis deux semaines, je suis loadé à côté. Fait j'ai okay. regardé la conclusion, j'ai lu son argumentaire, mais euh, tu sais, il fait son Greg Knuckles. c'est j'encule des mouches. Là, <laughs> ouais, parce qu'on s'entend que cette théorie-là existe depuis. Depuis 50 ans, ah oui. dans le fond, sans le savoir, euh, Arnold faisait ça, tu sais, c'était un peu ça le concept. Puis, puis même moi, quand j'ai euh, quand, quand j'enseigne, ben, je, je, je vais vous le montrer dans tout mon, mon, mes documents que j'enseigne sur l'hypertrophie, j'avais une charte que j'utilise pour montrer les, les maximums. J'avais même appelé ça Maximum Effective Reps, puis j'avais aucune idée que c'est quoi là. Et Moi, j'étais tout fier, j'ai dit Chris, j'ai inventé ce concept-là. Là, je parle ça à Paul Cordy, Hey, Chris Beardsley, dit ça aussi. un ouais, tabarnak. Ça. Je suis à titre fier, mais c'est Ça vient juste confirmer, tu mm. Mais, euh, mais c'est ça. ça, ça vient aussi montrer pourquoi, moi j'aime... Pourquoi un exemple là comme Mike Israël, il a besoin de faire du volume. Si tu arrêtes trois rap shorts, tu as juste trois, deux ou trois maximum effective reps par série. Tu as besoin de deux à trois, pas plus de séries pour avoir le même stimulus. T'sais, moi, dans ma tête à moi, quelqu'un qui aime ça faire du volume, parce qu'il aime ça la pompe, il aime ça la sensation, c'est correct. Mais pour moi, c'est juste du gaspillage Quelqu'un qui prend des anabolisants, ça va fonctionner parce que tu viens bloquer l'action du cortisol. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de stress dans la vie, ça va marcher. Mais tu donnes à quelqu'un qui a une vie normale, qui a du stress, récupère pas le tout ça. Je pense que concept aussi, maximum volume, c'est que tu montes jusqu'à temps qu'à un point tu peux plus ça l'autre. Ça, ça, je le sais encore. Pour le, le maximum tolerable volume, un autre concept de Mike is right c'est ce que tu disais, mm -hmm. c'est que, que tu augmentes le volume tant que tu récupères. Donc, tant que ta performance ne baisse pas, mm. tu récupères. C'est tellement mal comprendre le système nerveux. Puis, euh, je respecte beaucoup Mike, on est chum, on a du fun ensemble, je le trouve drôle, mais là-dessus, il est cheval. Mais il faut que tu ailles entraîner des athlètes pour le savoir. Le nombre d'athlètes que j'ai entraînés qui vont avoir des PB dans le gym. Alors qu'ils sont surentraînés à côté. Tu ils ont tous les symptômes de surentraînement, là. ils mangent mal, ils, ils mangent pas, ils n'ont pas faim, ils ne dorment pas, ils vont dormir deux heures par nuit. Ils arrivent dans le gym, ils ne sont pas motivés, ils sont pétés raides, ils ont mal partout. Puis ils ils battent un PR. Fait Il faut comprendre que le système nerveux, il, il voit ça comme un système, une situation d'urgence. Il va surproduire de l'adrénaline pour survivre, tu comprends? Fait que même quand ton corps récupère pas, c'est très possible de performer encore mieux. C'est pour ça que ben du monde vont se dire, elle dit Chris, je viens de me blesser, je comprends pas, ça allait tellement bien, je viens battre un record. Ben oui, mais tu as battu un record parce que ton corps il est en mode urgence. Il est en mode survie. L'adrénaline la, la, à côté, tu fonctionnes juste sur le système sympathique. Tu es sur le système sympathique à côté, tu n'es pas capable de récupérer. Euh, ton poids baisse, le poids est en train de baisser, la masse, le tonus musculaire baisse, mais tu as battu ton PR. Tu bats ton PR juste parce que ton corps, juste parce que là, il pense qu'il est en train de se battre contre un tigre, là, puis il est en train de perdre. Ben, il lâche un nasty boost d'adrénaline juste pour survivre, puis tu bats un pire. Fait que moi le monde dit que quand, regarde j'ai vu assez d'athlètes battre des records avoir des grosses performances quand ils étaient complètement en train de se brûler ça vient c'est un concept qui est complètement erroné c'est si tu dirais le volume que tu peux tolérer avant d'avoir une chute tu peux à tolérer tellement plus que tu penses mais ça veut dire que tu progresses ça veut juste dire que ton système est capable de trouver un moyen de compenser avec ça c'est un concept à la limite qui est dangereux puis comme tu dis, l'augmentation de volume, c'est augmenter le cortisol. Tu as fait que, de faire une augmentation progressive de volume quand on sait que c'est pas nécessairement ça qui drive l'hypertrophie. Ben ben euh, je pense que c'est un concept t'sais, intéressant. Tu, 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 tu regardes Brad, Brad Schoenfeld qui fait beaucoup d'études sur l'hypertrophie. C'est ça qu'il vient de dire. Lui-même, il dit que le, le, le facteur qui drive l'hypertrophie le plus, c'est l'intensité. Mm -hmm. Et le volume a peut-être un rôle à jouer. C'est ce, ce que Brad dit. Là. Puis euh, Brad, il, il, il est dur à argumenter du côté hypertrophique. T'sais, il est très, très ouvert. C'est quelqu'un qui n'a pas d'idées préconçues. Mike est aussi un scientifique. Je n'enlève pas ça. Mais Mike a ses idées préconçues. Il vend son système il a bâti sa réputation sur ce système là donc il y a avantage à mettre ce système là en, en, en lumière mais Brad a pas cette limitation là même souvent ses propres études se contredisent parce qu'il a changé quelques paramètres mais mais c'est vraiment là puis tu regardes les travaux de Cameron Mitchell c'est vraiment l'intensité de travail qui, qui, qui drive l'hypertrophie puis ça je crois beaucoup à ça parce que encore là on revient à la théorie des maximum effective reps c'est ce qui fait que tu vas avoir les cinq maximum effective reps si t'arrêtes trois reps short t'en as juste deux par série t as besoin de trois fois plus de série mais le trois Fois plus de série, c'est trois fois plus de temps, c'est trois fois plus de cortisol, c'est maintenir ton focus. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. T'sais, tu regardes Mike, j'adore Mike, ça a l'air comme, si comme si je le blasse. Mais Mike euh, a fait beaucoup d'argent avec sa business euh, Renaissance Prioritization. C'est pas quelqu'un qui a un job 9 à 5. T'sais, Mike, il, il travaille plus à l'université non plus. Là. Ce qu'il fait, c'est qu'il va à ses e-books, puis son coaching en ligne. Je le sais, quand je pars en conférence, je lis cette vie-là. C'est hyper pas stressant. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a, a pas de problème financier. Il n'y a pas le stress d'une personne normale. Et puis en plus, puis je ne veux pas accuser personne, 5 et 6, 245 livres. Est-ce que c'est naturel? Mm. Surtout quand tu as vu l'évolution des fois, tu le vois, il est passé de « fat tub of lard » à « bodybuilder » en deux mois. C'était tu sais, impressionnant. Je n'accuse pas personne. C'est soit ça qu'il y a un hostile génétique de fou, ce qui veut dire qu'il ne répond pas comme une personne normale ou qu'il s'aide un petit peu. Euh, donc, zéro stress, soit qu'il sait un peu qu'il y a une grosse génétique, c'est sûr qu'il peut tolérer du volume. Tu regardes juste la structure, il y a la tête grosse comme un ballon de basketball, il y a les poignets gros même. Le gars, il est fait pour la grosse ouvrage. Il, il, en plus, il est, il, il, il est court, le gars de 5 et 6. Ça a l'air con, mais chaque répétition est moins longue, moins grosse dépense énergétique. C'est tous des facteurs qui peuvent permettre que lui, oui, va supporter le volume. Le gros problème, c'est que la majorité des entraîneurs regardent ce qui fonctionne avec eux. Ils bâtissent leur système. Tu regardes Jim Wendler. Jim Wendler, 5-3 heures. Moi, je connais Jim. C'est quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui aime ça s'entraîner longtemps. Jim, là, il fait une série, il dans le fond, puis ça, il sait va, il va sur sa moto. Tu on, on sais, on était à, 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 à Noyon ensemble. J'étais là avec quand j'allais chez Dave Tate. Puis Jim, son training dure 35-45 minutes. C'est intense. Mais c'est pas un gars qui est capable de s'entraîner 2-3 heures. C'est pas ce qu'il aime faire. Puis donc, son système d'entraînement, c'est ça. Euh, tu regardes Charles Poliquin, c'est des systèmes d'arénement, c'est selon ce que lui aime faire. La plupart, John Meadows, c'est ce que lui aime faire. Puis c'est correct, c'est ce que toi tu connais. Tu écris sur ce que tu connais. Sauf que faut, faut regarder objectivement. Lui, il aime ce système-là parce que c'est ce que lui fonctionne sur lui. Mais il y a tous les facteurs qui l'avantagent pour pouvoir faire ce système-là. Tu peux faire du volume quand tu pas de stress dans ta vie. Quand tu es soit un freak génétique ou que tu t'aides au point de vue anabolique, que tu as des membres plus courts parce que chaque répétition prend beaucoup moins euh, d'amplitude, donc tu as beaucoup moins de, de dépenses énergétiques, euh, puis tu n'as pas de soucis financiers, rien. Puis tu es dans ce plus calorique. C'est sûr que tu peux tolérer du volume, mais ce n'est pas la réalité de la plupart du monde. T'sais, moi, je te pose une question. Si tu es un scientifique, pas vrai, je te pose pas de question, je t'annonce j't un fait. Si tu es un scientifique ou tu es, es, es un théoricien de l'entraînement, tu peux t'asseoir pour essayer de développer la théorie universelle de l'hypertrophie. Mais si tu es un coach, ta job, c'est d'avoir des résultats avec du vrai monde. Fait que ce, qui, ce qui est le meilleur en théorie, si ça ne s'applique pas dans la vraie vie, ça ne sert à rien. Ça sert à. à développer peut-être certains principes qui vont découler de ça. Mais, mais tu peux pas appliquer la, la méthode de, On va toujours augmenter du volume. Tu sais quoi, à un moment donné, ton, 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 ta, ta mère de famille qui travaille 40 heures par semaine, qui a 6 enfants, tu vas me faire croire qu'à un moment donné, il y a un point où va voir qu'elle s'entraîne 3 heures par jour, 6 jours par semaine. Ça n'a aucun sens. Aussi, bien dire, on, on va arrêter de s'entraîner. Ah, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, Mike, ça, j'ai bien eu du fun avec Paul, Paul Carter. Paul, étant... Paul, il est vraiment pas un fan de Mike. Okay. Les deux ont souvent des arguments, là. Ce qu'il a fait capoter. On a dit Mike il est allé sur un podcast. Puis il est allé dire que Dorian Yates aurait été bien plus gros s'il avait fait du volume. Excusez-moi, Dorian Yates, quand il compétitionnait, il était littéralement 25 livres plus gros que tout le monde. À son plus gros dernier Olympia, il était à 275 livres en stage shape à 5 et 10. Tu vas me faire croire qu'il aurait été plus gros que ça, alors que le plus gros après lui, c'était le à 255. Ben, t'as eu Nasser qui était plus gros, là. Mais Nasser, il prenait tellement de stock qu'il aurait pu vendre sa piste. Mais, euh, tu sais. <laughs> Je me suis parlé avec ce Cossette un peu hier. <laughs> de de Nasser? <laughs> ah, that's it. Ben ça, fait que ça, je pense que ça vient un peu à justement là, ton système de neurotyping qui est en train fait de regarder, il y a certaines ouais. personnes qui vont bien répondre à ce système-là jusqu'à un certain point exact. limitatif qu'il peut y avoir, puis il y a d'autres personnes que ça va être Puis tu vas voir, c'est rare, ok. Même si le volume driverait l'hypertrophie, dans un certain sens, c'est le volume de maximum effective reps. Mm -hmm. Mais là, t'as un, un seuil. Le, le problème que on arrive que dis-toi qu'à chaque fois que tu fais une répétition, tu causes du dommage musculaire. Euh, même si ce n'est pas l'objectif principal, chaque répétition que tu fais va avoir un certain dommage musculaire. En tout cas, si tu fais des, des bons exercices, tu fais un étirement du muscle et choses-là, euh, tu as un dommage musculaire. À un certain point, c'est que si tu fais tellement de dommages que tu n'es pas capable de récupérer en de ton 24 à 36 heures d'augmentation de, de la synthèse des protéines, ben tu perds de la masse musculaire. Il faut être logique. C'est beau d'avoir la, la, la supériorité intellectuelle théorique, là, mais dans la vraie vie, la seule job en tant qu'entraîneur, c'est d'avoir des résultats avec les clients. Mm -hmm. t'sais, ça me paraît quand je vois un. Dans le monde sportif, c'est la même chose, mais tu vois le, 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 le théoricien de, de. Je me rappelle, je suis à l'Institut national des sports, l'INS. Tu un superviseur de salle là-bas qui est kinésiologue, euh, qui m'envoie un message. Pis, euh, je dis euh, Crossfit, euh, c'est impossible de devenir fort avec ça j'ai aucune idée pour m'envoyer un message là-dessus out of the blue tu sais c'est pas vrai je suis en train gars de CrossFit le, euh, le gars il, il deadlift 600 il clean and jerk 400 il snatch 300 Il dit oh mais c'est impossible tu, tu, tu vas faire des, des phases de force Je tout en même temps Il dit, « c'est impossible ben, c'est arrivé je dis, non non mais c'est impossible <laughs> ok c'est impossible là j'envoie je, en, son programme d'entraînement tu, tu viens de c'est même pas son vrai programme je viens de créer un programme en 5 secondes, juste pour prouver que j'ai raison, dude. En tout cas, tu sais, you can't argue with results. C'est pour ça que oui, la science c'est important. Puis oui, toi puis moi, on est du monde qui lit énormément, mais pour essayer de comprendre pourquoi ce qu'on fait fonctionne et comment on peut le changer un petit peu. Pas pour dire ah ok, je vais arrêter de faire ça. J'ai eu des résultats, mais c'est pas supposé marcher, donc je vais arrêter de le faire. C'est complètement idiot. Là. On, on vit dans la vraie vie, pas sur un, un, un monde de débat universitaire. Ouais, exact. Mm. Je pense qu'on va falloir arrêter ça-là, parce que sinon ça va durer trois <laughs> heures. heures. <laughs> right, c'est où qu'on peut suivre on peut sur, sur Internet, que ce soit pour avoir des nouveaux C'est Chez Tabarme de tout côté. Tu si tu vas sur Instagram, c'est T-Barmy. Si tu vas sur Internet, c'est T-Barmy.com. Évidemment, aussi sur, euh, sur Testastrone. .net Ou tnation.com, que j'écris des articles euh, pas oh, mal à tout j'ai calculé. Pas mal dans le coin de 600. Ouais, c'est ça. <laughs> oh, oui. Si, 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 si tu inclus ceux sur mon site et ceux de tnation, mm. on a pas loin de 1000, je te dirais. Ah, c'est quand même fou, parce que des fois, euh, il y a du monde qui me demande c'est quoi le meilleur livre d'entraînement. Oui, tes livres sont super beaux, mais sur tnation, euh, oh, il oui. y a du stock. Hein? Mais tu sais, à la limite, quelqu'un qui voudrait vraiment, qui se dit je vais aller lire sur l'entraînement, tu vas aller sur tnation puis tu vas lire tous les articles à partir de 1998, quand ça a été lancé, là, euh, tu peux littéralement lire non-stop pendant 10 ans puis tu n'auras <laughs> pas tout lu. Euh, euh, en moyenne, la master, il en a plus que ça, mais en moyenne, c'est 5 articles par semaine depuis 25 ans. Mm. C'est comme dirait mon chum Mousse-Dupont, c'est de l'article en tabarnak. <laughs> Il y a des gars comme Charles Poliquin, comme Ian King, comme Jody Franco, Jim Wendler, Dave Tate. Évidemment, tu as des tibis aussi qui n'ont pas rapport. Ça, Quand tu sors cinq articles par semaine, ils ne sont pas tous super bons. T'sais. Mais il y a beaucoup beaucoup de choses intéressantes à lire. Puis, es tu es en conférence au Québec dans la prochaine année, 2020? Euh, pas ou... en 2020. Euh, en, en, en 2020, oui, excuse-moi. Pas en, en 2019. En 2020, on, ce qu'on veut monter, c'est une série de quatre conférences. C'est un nouveau concept que je veux développer pour le Québec c'est des conférences d'une journée. Parce que je me rends. À l'international, on ne pas ça, mais ben ça ne vaut pas la peine de se voyager pour ça. Mais je pense que. Tu sais, veux, pas, là. Le monde qui ont le goût de prendre une fin de semaine complète de leur vie pour aller s'asseoir pour écouter quelqu'un parler d'entraînement, même si tu tripes, tu sais, ce pas super. Si tu habites à Montréal, c'est tel que tel. Tu te déplaces pas, tu es chez vous. Mais tant que tu habites à Québec, tu habites à l'extérieur, faut que tu te déplaces. C'est l'hiver. c'est pas idéal. T'sais. Mais je me dis, une journée. C'est une journée vraiment, vraiment bien remplie. Maintenant, de 8 à 6, là. on a le temps de voir la même chose presque sur deux jours. Fait qu'on a une journée bien intense. C'est beaucoup moins cher. Tu on cherche peut-être, je sais pas moi, 350 à la place de 1000 piastres. Euh, mais tu remplis ça à 100 personnes. C'est moi, ce que je veux, dans le fond, là, ce que je veux, c'est aider le plus de monde possible. Parce que je veux que le, les connaissances que j'ai soient appliquées par beaucoup de monde. Euh, moi, je ne suis pas comme certains entraîneurs qui dire Hey, le monde a payé 3000 venez me voir Je m'en de ça. Moi, j'aime bien mieux voir 100 personnes dans la salle qui ont payé 200 ça va faire la même argent, je m'en fous. C'est pas ça, mais c'est je veux toucher le plus de monde possible, puis je veux parler au. Hey, l'entraînement au Québec est tellement dans une belle place, présentement. Est, on, on est, je te dirais, là, on est à ça d'entrer dans l'âge d'or de l'entraînement privé au Québec. On, notre génération, ben, ta génération, moi je m'en viens vieux, là, mais, mais notre génération va voir le sommet de l'entraînement personnel au Québec. Ça s'en vient, là. Tu sais, là, les, les, les bons salaires, les, les clients motivants, les clients qui acceptent de payer et qui reconnaissent la valeur de ton service, parce que ça s'en vient, là. Puis, euh, que les entraîneurs peuvent être des pro leur propre business, même leur propre business. On s'en vient là. Là où les États-Unis étaient il y a 10 ans, c'est là qu'on s'en vient. Mais les États-Unis, ça n'a rien de sortir de ce mode-là. Ça va être de plus en plus difficile aux États-Unis. Les, pour les, les 15 prochaines années, là, ça va être le bon temps pour être entraîneur privé. Que plus je peux. Euh, partager avec ce monde-là, euh, mieux c'est. Tu sais, c'est. Euh, euh, Avant de notre podcast aujourd'hui, tu sais, je t'ai arrivé une demi-heure en retard, puis le pire, c'est que je suis dans le parking. C'est parce qu'il y a un entraîneur qui m'a posé une question sur Facebook. Il disait, moi, ton autre téléphone, je l'ai appelé, c'était un kid de New Jersey de 15 ans. J'ai su à la fin qu'il avait 15 ans. Mais tu sais, il était super smart, là, vraiment intelligent. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, je. Je veux parler au monde direct, je veux les aider, je veux leur transmettre ma passion. Fait que plus j'ai de monde à la salle, mieux ça. Fait que je pense que des conférences plus courtes, en faire quatre comme ça, puis une cinquième à la fin, qui est comme la culmination, qui est une fin de semaine complète, avec moi puis d'autres entraîneurs, où qu'on fait vraiment un, un happening, c'est là qu'on s'en va pour, pour 2020. Bonne idée. Et euh, c'est ça, fait qu'on peut te suivre là. Euh, puis dans le fond, il y a une coupe d'Européens qui, qui nous écoute. D'ici la fin 2019, es tu es en Europe un peu? Plus en Europe. Regarde, je ne connais pas mes, mes dates au complet parce que moi, si tu me donnais Apple, en dans deux semaines, il ferait faillite. Là, je suis zéro organisation, zéro business. En Italie, après ça, je vais, en, je vais en, deux autres fois en France, une fois à La Garde, qui est en Côte d'Azur, puis une fois à Aix-en-Provence. Je ne pourrais pas dire les dates exactement, mais on va l'avoir sur notre okay, téléphone. Tout est sous cette internet. Exact. Super, un gros merci. Bien yes sûr. Avant de terminer, on va faire une petite question du public. Est-ce qu'il existe des livres sur les neurotyping? Euh, je pense surtout sur Internet. Bien, pas, pas vraiment, parce que c'est un système que j'ai développé. J'ai lu sur beaucoup de sources différentes, comme le, le livre de, les livres de Dr. Kloninger, le livre de Braverman aussi, euh, mais beaucoup de livres d'abord de sur la physiologie, mais sur le neurotyping en tant que tel, non. Il y a une conférence en ligne sur mon site web, mais le, mais le livre est, est un de mes projets. Par contre, je suis en train d'écrire un livre sur mon système de performance athlétique. Une fois que j'ai fini ça, là, je vais m'attaquer au livre sur la, la, le neurotapping mais présentement, non. Je pense que si quelqu'un lit toutes tes affaires que tu oh, oui. sur Internet, puis, il comprendre, les, puis les vidéos, bah oui, tu peux comprendre. Calmer le cerveau d'un type 2B quand on s'entraîne le soir, euh, les suppléments autour pour euh, dormir. Bon, euh, euh, ça, il faut comprendre que quelqu'un qui a de la misère à dormir, c'est parce que son système nerveux est toujours actif. T'es, tes neurones qui fire, fire, fire. Donc, tu dois calmer le système nerveux. C'est soit un excès de glutamate ou encore, ça peut être simplement un excès d'adrénaline, hein, qui peut être aussi le cas dans du type 3, par exemple. Euh, donc, première chose que tu veux, tu veux venir enlever l'adrénaline des récepteurs. Euh, donc, le magnésium va aider pour ça. Donc, le, le magnésium calme. Pourquoi? Parce que le magnésium va venir disloquer la molécule d'adrénaline de son récepteur. Donc, ça vient aider à chauffer downer. Donc, ça, ça peut être utile. Euh, le, le, le meilleur supplément que moi j'utilise pour inhiber le système nerveux, mais qui a aussi beaucoup d'autres bénéfices, c'est la glycine. La glycine, c'est un acide aminé qui, est, tu vois, ça va coûter 22$ pour 3 ans. C'est vraiment pas dispendieux pendant tout. Euh, mais la glycine a plein de bénéfices. Premièrement, c'est lui-même un neurotransmetteur qui agit beaucoup comme le GABA. Donc, il va venir inhiber le système nerveux. Ça vient te calmer. Donc, un 3 à 5 g, c'est assez pour vraiment calmer ton système nerveux. Euh, ensuite, ça vient, euh, en tant qu'acide aminé, à part la leucine, c'est l'acide aminé qui active le MTOR le plus. Puis le mTOR, évidemment, c'est un des, des, des activateurs de la synthèse des protéines. Donc, si tu prends ta glycine post-workout, tu viens calmer ton système nerveux qui va empêcher de, 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 de brûler tes récepteurs adrénergiques. Ça vient diminuer le cortisol après ton training et tu viens augmenter la synthèse des protéines encore plus. En plus de ça, la, la glycine va augmenter le niveau de sérotonine circulatoire. Donc, en augmentant la sérotonine, tu vas aussi aider à calmer le système nerveux. Donc, la glycine post-workout, 3 grammes pour baisser le cortisol et prévenir ce qu'on appelle la fatigue nerveuse, mais qui est la désensibilisation des récepteurs adrénergiques. Euh, et le soir, euh, ça, ça peut aider normalement. Le magnésium, un, un 500 mg environ. Idéalement du magnésium torate. Mm -hmm. Magnésium torate, parce que c'est une molécule de taurine qui va venir augmenter le GABA. Le type 2B est, est faible en GABA. Donc la taurine va venir aider à augmenter le, 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 le GABA. Donc ça va aider beaucoup pour ça. tu dises la glycine, 25 g, 30 g avant d'aller coucher. Ça peut fonctionner. C'est sûr que tu vas... Ça, tu vas aller faire une diarrhée explosée. <laughs> c'est n'importe quoi que en que haut ça. de 10 grammes, bonne chance. <laughs> <C 'est rire> euh, quelles sont les limites pour un gars à dominance à fibre lente pour le développement de la force? Ben, la, la force, c'est sûr que, regarde, si, si tu as des fibres musculaires à dominance lente, en partant, c'est sûr que tu as un petit désavantage, parce que les effets musculaires rapides sont naturellement plus forts et plus explosifs. Par contre, avec un entraînement euh, qui est vraiment là, entre guillemets, unidirectionnel, où tu es vraiment ciblé juste sur les effets musculaires rapides, c'est juste de l'explosif ou du lourd, ça a été démontré dans une étude polonaise que tu peux avoir les mêmes résultats. Euh, soit ça, tu vas avoir 70% des résultats qu'une personne qui a l'effet musculaire rapide. Donc, c'est quand même relativement important. Tu sais, si tu vas à la limite, là, tu sais, t'es pas PayPal World Class, mais tu es quand même à, à un niveau relativement élevé. Euh, donc, donc, ça, c'est. Ça, c'est possible. Ceci étant dit, euh, il faut quand même que tu aies un entraînement qui va être vraiment axé vraiment là-dessus. Parce que, tu sais, le moindrement que tu donnes la chance à ton corps d'aller plus vers le profil musculaire lent, tu vas les utiliser. Donc, c'est euh, très, très faible volume d'entraînement, des très longs repos, euh, rien en bas de 80 de ton maximum ou encore de l'explosif. Mais, mais c'est possible. T'sais, tu ne deviendras pas une machine d'explosion, mais c'est possible de devenir fort. Euh, ceci étant dit, regarde, là, au point de vue force, euh, il y a aussi la grosse composante neurologique. Que même si tu ne te rends pas un gros développement de la fibre musculaire, si tu maximises le développement du système nerveux, tu peux faire une grosse job pareil. Là. Mais encore là, si le nerveux demande du travail de plus à 80%. Donc, si tu vas toujours en du 80% et plus, faible volume, haute fréquence, quelqu'un qui fait une fibre musculaire lente, moins gros volume, trois entraînements par semaine, tout le corps, juste des big basic lifts, euh, moi, ce que je fais, je fais une journée que je mets la force sur l'excentrique, une journée que je mets la force sur l'isométrique, une je fais du concentrique, j'ai en bas du 80 Il est euh, moyen d'avoir des très bons résultats. 70 des résultats de quelqu'un qui a fait fibre musculaire dominance rapide. Donc, de, 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 de quelqu'un qui pourrait atteindre un. Euh, je dirais, un, tu compares ça à un powerlifter raw qui ferait, mettons, un exemple, un bench de 400. Bien, tu peux aller chercher un, un 315. Euh, à la place de faire un, un 600 au squat, tu peux aller chercher un 475. Puis à la place d'un 600 au deadlift, un 475-500. Tu sais, c'est quand même. Des, des, tu peux faire des bonnes barres. Moi, je pense que par expérience, tout le monde qui est d'un poids, je dirais, en haut d'un 165-170 livres est physiologiquement capable de faire 315 au banc, 400 au squat, 500 au deadlift. Euh, pas mal tout le monde peut atteindre ça avec la bonne entraîne. Euh, dans la question, qu incapable de, de me catégoriser entre 2A et 2B, est-ce qu'il est possible d'être à mi chemin entre les deux? Oui, absolument. Oui, c'est surtout avec le stress. Il faut que tu comprennes que le 2A, le 2A, en fait, c'est un passe-partout. Le, le 2A peut être n'importe qui, tout dépendant de la situation. Si tu point de vue neurotransmetteur, la caractéristique principale du 2A, c'est que l'ensemble des neurotransmetteurs sont pas mal égaux. Ce qui fait qu'il est capable de prétendre d'être n'importe quel type. Et, et tout dépendant de la fatigue, il peut très, 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 très facilement devenir un 2B. Moi, c'est ce qui m'arrive. Un exemple, je suis quelqu'un qui est, je suis 2 donc je suis beaucoup plus quelqu'un qui, qui a besoin d'une variation, qui aime la performance, euh, qui aime l'explosion, qui aime euh, aussi la musculation, qui aime la, la, la pompe. J'aime un petit peu de tout. Mais du moment que je me prépare une, pour, une pour une compétition, une, un photo shoot, en dedans de trois semaines, là, ça, je viens juste bodybuilding. C'est du superset, c'est de la pompe, c'est des drop sets, parce que c'est ça que j'ai besoin. Puis si je continue encore plus, là, ça, ça va devenir encore plus routinier. Mais le, 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 le premier deux mois, là, je deviens un 2B. Parce qu'à cause de, la même, de mon alimentation, sérotonine, GABA, baisse. Donc, je deviens un petit peu plus en besoin de réconfort, de sensation, de, de feedback, de rétroaction. Donc, oui, un 2A peut être très similaire à un 2B. Les deux ont beaucoup, beaucoup de points en commun, absolument. Good. Là, c'est fini. All right, that's it. Oh. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Euh, N'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, d'aller... Laissez un commentaire sur YouTube si vous avez aimé ça. Allez faire un like et de vous abonner à la page YouTube. Puis on, fera, on viendra faire un part 2 euh, quand, que, quand qu on viendra à Québec. Et euh, c'est ça. Fait que allez euh, liker ça partout. Et euh, partager aussi sur, euh, dans vos stories Instagram ou sur Facebook si vous avez aimé ça. Et euh, sur ça, je vous souhaite un excellent jour. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker... Incassable en acier inoxydable, pas de BPA. L'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.